Ah non, je lance l'enregistrement, ok, voilà. Donc, ouais, ok, tout, c'est bon, tout va bien, je suis là, vous inquiétez pas. C'est bon, Dolly est là, on peut y aller, là. Tu veux que je fasse une intro avec salut à tous et toutes. Salut à tous, c'est la méga forge. Non, on pourrait dire salut les forgerons. tu le fais rarement, je t'ai entendu te plier de cringe, en fait. C'est vrai que ça arrive rarement, t'as une tolérance assez haute quand même. Bah écoute, j'ai pu jouer à Fortnite, j'ai eu la chance, j'ai eu l'espoir d'y jouer. Tu t'adaptes quoi. Est-ce que Spider est assez fort, pas dans la vie je veux dire, mais au niveau de son volume, parce que du coup vu qu'on va jouer à deux, mon volume est exact, j'ai juste des grosses roues. Mais non, mais mon pauvre, tout le monde sait que ton volume il va bien. Salut mec, dis-moi, tu joues sur PC? Si oui, tu connais un Discord France pour Star Wars Battlefront 2? C'est marrant parce qu'il y a un mec qui a demandé ça tout à l'heure. C'est exactement ce que je me disais. C'est chelou, non? Tout le monde a besoin de Discord. Et non, je sais, on sait pas. Désolé, Samir, personnellement, moi j'ai lancé le jeu aujourd'hui. On va y jouer, on va juste faire des conneries. On va essayer de tuer un maximum de potes. Donc, non, j'ai aucune idée. Mais il y a un mec qui posait la question tout à l'heure quand on a testé le jeu sur le chat. Donc, ouais, il disait qu'il n'y en avait pas, mais qu'apparemment, il y a certains, je crois, youtubeurs ou un truc comme ça, qui avaient un Discord. Mais ouais. Sinon, j'en sais rien. Ouais, on l'entend bien, c'est pas ouf. Aucun peu cas. Mais tu sais quoi, je te propose qu'on se lance direct dedans, alors mets-toi à poil. Ouais, tu veux faire une belle transition, là ou... j'en sais rien, qu'est-ce que ça en capture. J'ai fait une transition chez vous, moi j'étais content. Non, mais eh ben, c'est génial. Est-ce que t'es sûr que t'es pas en train de streamer en même temps, en fait? Parce que je te rappelle que c'est moi sur, qui sur c'était quoi, la Megaforge Live Console. Ouais, la Megaforge Live Console. T'es en train de streamer chez Millennium. Donc voilà, donc on commence déjà direct avec le compte du cul devant. T'as qui toi au menu principal? J'ai Dark Maul. Darth Maul, putain la chance. On peut pas le changer ça, genre manuellement, pour éviter d'avoir Christopher Lee? Moi j'aurais bien Phasma à la place, moi. Si ça dérange personne. Il me semble que c'est complètement aléatoire. Regarde si elle est pas belle. Regarde si elle est pas magnifique, Phasma, quoi. Regardez-moi ça. Attends, ah mais j'avais pas vu qu'il y avait Yoda aussi. C'est marrant, il est petit. Mais par contre, franchement, tu vois là, Phasma, ouais. Il faut un petit retracing des familles. Mais de quoi tu parles avec ta technologie vaudou là? On s'en fout du ray tracing. J'ai pas envie de sacrifier 80% de ma carte graphique juste pour avoir de la merde en plus. Par contre, Anakin et Obi-Wan, je sais pas pourquoi je l'ai... Encore Obi-Wan ça va, mais Anakin je le trouve chelassé un peu. Il est où? Il est tout bougé dans les vaisseaux. En fait, Anakin, son problème, c'est qu'on dirait qu'il a le syndrome, tu sais, quand la mère elle picole trop pendant qu'elle fœtus dans le ventre, on dirait qu'il a ça, en fait, et c'est un problème. Ah, comme l'acteur. Oui, voilà, un peu comme l'acteur. Comment il s'appelle, déjà? Christopher Lee. Non, en plus, il y a un truc comme ça, c'est Christ quelque chose, Anderson, je sais plus. Le Christ Renaissance. Et c'est quoi que tu disais, c'était Obi-Wan qui était chelassé aussi? Obi-Wan, tu sais pas pourquoi sa gueule. Il a les yeux trop petits. Il a les yeux trop petits. Et par contre, regarde sur Obi-Wan, du coup, tu vas pouvoir montrer la personnalisation. Et Matt, son costume General Kenobi. Lui, attends, là, on a la robe de Jedi. Déjà, je suis complètement fan. Et General Kenobi. Ah oui, c'est de Clone Wars, ça, non? C'est Clone Wars, ça. Ouais, d'accord. Et je la trouve super stylée. Non, ouais, j'avoue, carrément, je suis d'accord. Tiens, mais on va regarder un peu les personnages avant de se lancer pour chlasser du zoomer. On va regarder un peu les personnages. Je reviens au pire, fais de la customisation. Carrément quoi. Je reviens dans 2 minutes, c'est bon. Je dois meubler quoi, allez va chier. Le truc, c'est pas vraiment un besoin de Discord, mais c'est plus fun de jouer avec des Français, lancer les tactiques, pas jouer tout seul comme des cons, mais merci à ta réponse. Bah ouais, bah écoute, désolé. Surtout si tu viens chercher la tactique, c'est vraiment pas ici qu'il faut venir quoi. Mais voilà, regardons un peu vite fait lui là. Non, on s'en fout. Comment il s'appelle? Finn, c'est ça, ouais. Non, personnellement, je m'en bats les couilles. Je sais pas s'il y a quelqu'un au monde qui s'en fout pas de Finn. Rey, je l'aime bien, même si elle est morte. Je pense qu'ils ont fait la modélisation à partir du cadavre de Rey. Et bah écoute, c'est pas grave, mais ça arrive. Comment il est Darth Maul? Ah oui, si. Ah si, bien sûr. Après, c'est pas vraiment dur de faire Darth Maul en beau, mais est-ce qu'il a d'autres... Non, il a pas d'autres trucs de customisation, il y a pas la partie où il lui manque les jambes, c'est dommage. Regarde, il y a Grievous, qui est sublimissime aussi. Franchement, tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur le jeu. Le début était complètement raté sur Battlefront 2, les gens ont gueulé, il y avait une raison. Mais je trouve que le jeu s'est plutôt pas mal, rattrapé. Et notamment, bon après ça c'était dès le début, mais je trouve que les personnages sont vraiment impressionnants. Surtout Kylo Ren,
Je sais pas si vous allez bien le voir au niveau du stream, mais il y a la texture de... C'est con, hein, mais la texture de sa capuche, mon gars. On dirait le côté qui gratte sur une Spontex, et je suis complètement fan. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas maté? Lui, la Lando, je sais pas qui en a quelque chose à foutre de Lando Calrissian, mais certainement pas moi. Qu'est-ce qu'on a... On a vu Phasma, mais on va la revoir encore un petit peu, regarde là. T'as envie de faire... dessus, franchement. Elle, c'est qui? Qui c'est, ça? Ah, c'est pas le mode... Ça, c'est le mode solo, ça, non? Où tu joues une... Si, il me semble que c'est ça. Parce qu'on la connaît pas, sinon, elle. Phasma now with ray tracing. Putain. Arrêtez avec le ray tracing. Oh, il est beau. Absolute power! Ok, Dark Vador, bon, bah, ouais, c'est bon, on le connaît. Je l'avais dans mon cockpit dans Euro Truck Simulator, quand même, donc nick sa race. Salut, mec, salut, gars. Comment tu t'appelles? Tiel, ça va, mec? Comment vas-tu? Regarde-le, regarde Chewbacca. C'est Spider, ça. Lui, qui c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Mark Zuckerberg. Le... Ah, je raconte des blagues. Je me fais rire tout seul. Écoute, c'est pas grave, je suis mon plus grand spectateur. Putain, là l'autre con, mais il arrive un peu trop tard, dommage. T'en fais, tu fermes, ferme ta gueule, 2 minutes. Et on a qui d'autre? J'ai fait littéralement tous les personnages, hein. On a Boba Fett, mais Boba Fett, c'est marrant parce que Boba Fett, moi je m'en branle, je sais pas pour toi, Spider. De quoi? Mais vraiment, c'est dingue, hein. Mais j'en ai rien à foutre de Boba Fett. T'as pas envie de voir la série sur le Mandalorian? Non. vraiment, je m'en branle. T'es le genre de mec qui aime bien, je sais pas, tu sais, Flynn, là, enfin, c'est quoi son nom? Finn de Human, ouais, Adventure Time, mais pourquoi pas? Non, mais en vrai, je préfère... je vais dire un truc, mon gars, ça va cliver. Je pense qu'on va perdre littéralement tous nos viewers. Attends. Je préfère... Ok, super. Je préfère Ray à Boba Fett. Voilà, c'est bon, c'est dit. Ray. Ouais, je la trouve... Mais elle a fait bien pour elle. Ouais, bah je la trouve quand même plus intéressante. Ouais, c'est quoi, cool. Marvel, franchement, si on en est là, moi tu sais quoi, j'arrête le mégaphone. De quoi, t'as dit sur Mandela ou si on en est là? Si on en est là. je croyais que t'étais en train de dire sur la tête de Mandela. Je trouvais ça un peu étrange. Non mais franchement, ouais, t'acceptes pas mes opinions politiques? je pourrais, mais là non. Mais par contre, on peut dire un truc sur Luke aussi, c'est le dernier qu'on va regarder, parce que Leia, on s'en bat les couilles. Mais Luke, c'est marrant parce qu'il est plutôt vieux, en fait, il ressemble beaucoup à Mark Hamill maintenant, alors qu'il a le corps de Mark Hamill avant. C'est bizarre, non? Au niveau du visage? Ouais, au niveau du visage. J'ai pas vu ses tétons, couille, au niveau du visage. c'est bizarre, attends. T'as pas l'impression qu'il est vieux? Dans quoi on voit aussi vieux que ça? En fait, si tu fous un costume hot, il a plus la gueule de... Ah oui, de la... Ben oui, d'accord. Je crois que c'était le costume hot, genre Chippendale, tu sais. Marc Hamill avec son petit nœud pape. Il va prendre le costume, tu sais, de Leia dans... Comment dire, dans oui, le truc oui, quand, de... elle, quand elle est esclave. Quand elle est esclave de Jabba, ouais. Est-ce qu'il y a des personnalisations? Oh putain, il y a des personnalisations pour... Oui, Grievous, j'avais pas regardé quand tu me l'as dit tout à l'heure. Oh la vache, oh super stylé. Ouais. Mec, la dernière, elle est... Est-ce qu'on voit... On voit pas son... Enfin, on voit pas lui au on milieu. On voit pas son cœur. Oh, dommage. Pas son cœur. Ah, c'est dommage. Ah, c'est vraiment super, super classe. Je pense que c'est trop violent, tu vois, ça... Ah bah oui, un jeu où tu fous des coups de fusil à pompe dans les mecs, oui, c'est trop violent. Mais par contre, là, dans la version endommagée, avec juste, tu sais, la brûlure au niveau de l'œil, ça, c'est... Ouais, non, je suis complètement d'accord. Puis on peut voir aussi les autres... Les autres mecs, là, les classes plus ou moins normales et qui ont aussi des apparences qui sont vraiment super stylées. Et si on regarde dans la République Galactique, il y en a qui sont... Mais mon gars... Regarde, la 501... C'est heureux. Mais en fait, personnellement, le lore de Star Wars, je me le taille en bisous. Je me le taille en bisous. Mais il y a des skins qui sont vraiment super impressionnants et je trouve qu'ils dégagent tous énormément de trucs. Regarde, la 181e division blindée. Regarde-moi ce mec, là. Regarde-moi ce type. Pourquoi ils sont pas dans les... Pourquoi il est dans aucun film, lui, il défoncerait tout le monde, lui, à main nue, il s'en fout. Par contre, je sais pas si... parce que, du coup, ouais, il y a beaucoup d'apparences. Ouais. Mais genre, par exemple, dans République Galactique, au final, tu sais, tu vois pas les costumes des derniers. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, t'as pas... Non, je vois pas ce que tu veux dire. Tu veux dire de... Skibidi-bap, ouais, d'accord. Tadada, vas-y, je me prends que tu cherches. Y a pas la version des derniers Star Wars où... En fait, y a pas de customisation sur la version des derniers Star Wars.
Ah oui, d'accord. Ah oui, attends, il y a Pounce qui est venu, j'avais pas vu, elle est en train de m'engueuler. Bonjour Pounce. Désolé, j'ai pas vu ton message. Ça a défilé un peu vite et on était en train de mater des vieux skins comme des nerds. Désolé. Tu prends des skins pour faire de la charge dans le 16. Peut-être qu'il parle le premier ordre. Mais il y a quand même un des trucs les plus stylés du monde. C'est quand même lui. Je trouve que les mechas, du coup, enfin, les mechas, les droïdes dont on parlait, là, avec l'avant-bras, le canon sur l'avant-bras, ouais. Là, je me souviens jamais de leur nom. Ils ont un nom spécial, je me souviens jamais, mais je les trouve complètement stylés. On va dire, ouais, droïdes EK. Non, c'est les roulettes. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des droïdes EK, mais apparemment, il n'y en a pas. Bon, tant pis. Bref, écoute, on va lancer. En fait, le truc, c'est qu'on est en train un peu de marcher sur des œufs de façon métaphorique. Parce que, vu que c'est très rare qu'on joue à des jeux multi avec d'autres gens, parce que sinon, ça rame sa grosse race. Là, on va certainement laguer notre grosse dynastie. Donc, si jamais ça merde vraiment. J'ai failli vomir. Si jamais ça merde vraiment, on ira direct sur le jeu de la deuxième partie de soirée et on fera autre chose encore après. Donc si jamais ça merde, on va partir directement sur Raft avec Scad et ensuite pour pas juste faire 4 heures de Raft ou pour vous laisser sur Raft, on fera du EDF 4.1 mais uniquement si ça merde, d'accord ? Non mais moi je le sais, tu me l'as dit. Hein. Non mais je te parlais pas à toi, je parlais au public, au nous royal. Donc il y a 6 milliards de mods, et on va lancer sur celui qu'on a fait tout à l'heure. Il faudrait peut-être qu'on s'ajoute du coup. Parce mais c'est marrant parce que je t'avais invité tout à l'heure, alors concentre-toi un peu. C'était le moment où j'étais parti parce que tu m'intéressais pas. Vas-y dab, finis par daber comme ça. Vas-y, fais le... Vas-y, j'attends. Connard, va. C'est bon, je suis... Oh, attends, faut que je te mute parce que chez moi, elle était en double. Ah oui, bah je vais te muter préemptivement, mais j'avais pas eu le problème tout à l'heure. Par contre, tu parles comme un droïde, quoi. Préemptivement. Roger. Donc, attends, Assaut Galactique, ouais, donc c'est le truc qu'on a fait tout à l'heure, c'est ça, c'est juste le Capture the Flag, en fait. Ouais. Et Suprématie Capitale, c'est quoi? C'est quoi la différence entre les deux, en fait? Ah, d'accord, c'est le mode titan de 2142 en fait, Suprématie Capitale. Faut monter dans un vaisseau et le défoncer à l'intérieur. Et bon, on va partir là-dessus. Franchement, on va partir là-dessus parce que oui, le temps de trouver une game, ça va nous prendre une bonne demi-heure. Donc, et le temps de la rejoindre aussi. Donc, ouais, là on peut parler tranquille. Hein. Suprématie Capitale. Tu pensais des élections européennes. Oh, ça c'est le bon genre de conversation qu'on aime bien. On aurait pu parler, je sais pas, du trailer de Death Stranding. On aurait pu parler de plein de choses, surtout Death Stranding. Mais non, t'as décidé de parler de l'élection européenne. Il y avait pas Mads Mikkelsen qui s'est présenté. Alors moi je m'en fous, moi. Putain, il se serait présenté, il aurait été élu aussi. Mais bien sûr, il y aurait eu des millions de mecs qui sont jamais sortis de chez eux et qui seront allés au bureau de vote. Rien que pour ça, rien que pour ses beaux yeux et sa belle bouche. T'as remarqué qu'il a une petite bouche de chat, genre comme ça. Ouais, c'est pas évident, mais. Oh là là, mais qui se... Tu vas voir le Deviantart de Russian qui va se remplir de furie de Michael Madsen. Non, pas Michael Madsen. Michael Madsen, c'est pas le mec. C'est pas le même. C'est pas le même, ouais. Pas du tout. Michael Madsen, c'est le mec dans Reservoir Dogs. En fait, je faisais la musique en arrière-plan, mais ouais. C'est quoi cette sur musique? Sur la il danse là. C'était le thème. De quoi? Ah, comme je t'ai dit, du coup, je suis parolier. J'ai toujours pas commencé à chercher les paroles pour les chansons que tu m'as envoyées. Ah oui. Mais bravo. Ça se fera avant la fin de semaine, elle y sera. Yes, enfin quoi. Oui, parce que je lui ai fait un rap tout pérave hier, il me dit « Ouais, fais une instrumentale et je plaque des lyrics un peu lourds dessus. » J'ai fait « Non. » Non, elle a tout sûrement le truc. Si, t'as dit « Je vais plaquer des lyrics un peu lourds et après je t'ai pris une petite roue. » Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a des vieux droïdes tout pétés. Oh, il est beau lui avec son truc jaune, là, on dirait le Big Deal. Le spécialiste, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a là, du coup? On a eux, ouais, ok, d'accord, très bien. Bon, bah écoute, ouais, on va partir juste sur le mec de base. Beau. Alors le truc, c'est que c'est la première fois que je joue au jeu. Pas la première fois que je joue en FPS, hein, mais la première fois que je joue au jeu. Et du coup, j'arrive absolument rien débloquer, mais du tout, quoi. Et je pense qu'on va se faire pourrir, en fait, pendant deux bonnes heures. Ouais, mais on va rigoler. Ok, c'est parti. Ils sont en train de tryhard. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis lancé, hein. T'en es où, toi? Chargement. Yes. T'es calme. Je suis là. Alors, normalement, dans la même équipe. Normalement, ouais. Au pire, c'est pas grave, hein. Je te chasserai en boucle. Ok, on y est.
C'est long. Ok, c'est où? Ok, non, je veux pas, voilà, je veux la première personne. Je suis personne. Pas du tout dans, le même, dans la même équipe que toi, c'est super. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Spider, à l'aide! Où est-ce que t'es? Alors, je pense que le bitrate, pour le chat, je pense que le bitrate va se chier dessus. Si jamais c'est inregardable, laissez juste le son au pire, parce que la rediff sera beaucoup plus belle. Par simple curiosité, pourquoi streamer ce jeu? Demande à Spider. Bah, parce que, du coup, il y a pas longtemps, oui, ça fait... peut-être une semaine ou deux, il y avait une vidéo de Jack Frags qui était sortie sur Battlefront 2. Et on l'avait regardé, on fait « Eh ouais !» Spider, Spider, que... gauche, ouais. Tends-toi. Quoi ? Je suis là, Spider. Je te vois pas. Là, quoi. Là, Ah oui. Ah non, mais aussi, tu comprends pas. Ah, il m'éclate. Ah, il est con. C'est bon, on l'a capturé, là, ou quoi? Bah non, oui, c'est bleu. C'est... Ah oui, ok, d'accord. Ouais, bleu, c'est attends, gentil. Attends, vas-y, bourrez-moi. Où ça? Ah, vas-y, laser-moi partout sur le visage. Aïe, attends, il me tire dans la bite. Je suis à court. J'ai vu que tu me regardais, tu me tirais dans la bite. Allez, viens, on va se latter un peu, on va les défoncer là. On est à deux, rien ne peut nous avoir. T'es où? Putain, qu'est-ce qu'il est lent. C'est bon, je te vois à travers. Les droïdes teubés. En fait, je pense que c'est vraiment nos IA qui sont mis dans les droïdes du film en fait. Attends, on peut. Non, les grenades. Mais tu peux arrêter de lancer des grenades, s'il te plaît? Pourquoi l'autre il est avec une caméra, regarde, il est avec sa GoPro. Be a hero. Ça va? Remets ta GoPro. Tu trouves pas que leur visage derrière nous... Non, c'est bon, ok. Trouves pas que leurs visages, ils sont adorables à eux? Si, attends. Regarde-le. Regarde comme il est kicks. Regarde, une GoPro. Be a hero. Allez, on comment on fait? Aïe, je me fais tirer dessus. Protège-moi de ton corps défendant. Vas-y. Mets-toi devant moi et meurs pour moi. J'ai combien de ping? Ah, j'ai. Non, c'est mon score. Je me disais, j'ai 500 piles de ping, mais en fait, non. Ok. Moi, ils disent que j'ai une connexion qui est comme moi. Pourquoi des jumelles? Mais pour voir loin, qu'est-ce que. T'es con, ouais. Pourquoi t'as un fusil? Il y a un truc qui est pété derrière moi. On est d'accord sur le fait qu'on n'a pas vu un seul ennemi depuis le début. Mais peut-être qu'on fait aussi un playthrough peaceful hein. Y'a personne, c'est la tour. Si, en face y'en a là. Putain, me fais tirer dessus. Quel PD. Aïe, ouais, ok, d'accord. Putain, mais c'est Thomas GT. Attends, comment on fait? Bouge pas, passer. Attends, je vais prendre un soldat lourd, tiens, je pense que ça va être beaucoup plus facile. Mais par contre, comment on fait pour changer des squads là? Parce que moi je veux être avec toi là, je Thomas, dans la nuit, t'es nul. Attends, comment, je sais pas comment on fait pour changer les squads. C'est contre sympathique. Y'a que dalle. Bon bah je sais pas. Bah attends, il doit y avoir un moyen. C'est quoi? Normalement y'a les menus dans BF, c'était quoi? C'était N, P, O, Q. Attends, je vais spawn sur Doku et puis on verra. Attends, comment? Donc, merde, pourquoi? Ah non, c'est bon. J'étais en train d'écrire SZWZ à l'ancienne quoi. Échappe menu. Score? Non. Réapparaître? Non. Je sais pas, réapparaître? Non, bah non, je suis juste mort. Je me suis fait piéger. Ça marche un peu. Non, ah non, y'a pas. Quel sale enculé. Heureusement qu'il était là, hein, franchement. Ah, je suis Darth Maul, j'ai vu tout. Putain, comment il saute trop. Darth Maul, j'ai vu tous tes films. T'as pu l'avoir? Non, c'est pas moi. Non, c'est un mec devant moi. T'es fou ou quoi, toi? Putain, je me suis dit, t'es stylé. T'es stylé, non, mais... c'est pas le cas. J'ai débloqué PET. Je sais pas qui c'est PET. P-A-I-T, c'est qui ce con? Sûrement un personnage de Mini Verret Tentu. Ouais, c'est ça, ouais. Mec, putain, ouais, y'a aussi un plus. Putain, George Lucas, je me fais taser par un enculé. What? Ah, je me suis fait exploser par un connard. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, mec? Je veux m'amuser, je désire m'amuser. Eh, c'est wild, hein. Eh, c'est wild, hein. Tu peux pas changer les squads. Ah, ça, c'est à ça qu'on reconnaît un jeu qui est bien fait. Ça, c'est bien, ça. Ouais. J'aime bien un jeu qui permet, en fait, de pouvoir jouer avec tes copains. Merde, je suis pas dans l'objectif. Okay. Mais tu sais, t'es pas censé jouer avec tes copains, t'es censé jouer en tant que gamer. Ah oui, d'accord, il faut aller chercher le kill et pas jouer sur voilà. Les objectifs, d'accord, je vois. De toute façon, les objectifs, maintenant, tu vois, c'est dépassé. Mais je pense que ouais, maintenant, c'est surtout sur les objectifs émotionnels, en fait, qu'on joue. Par exemple, t'as 500 points... La déception. Si t'as 500 points, si t'es senti empli d'une joie certaine. Et là, j'ai 1000 points.
Là j'ai mis le pôle. Oh y'a un mec là-bas, je vais le tuer, je suis mort. Ma sensibilité est beaucoup... Je suis pas assez sensible. Mais si, t'es très sensible. Ah, j'ai débloqué Cab. Ah, qui a oublié ce personnage, Cab? Ah, à Cab. Ah non, c'est des vaisseaux. D'accord. Putain, t'as un vaisseau. Mais tiens, attends, je vais voir ce vaisseau-là, moi. Okay. Oh, hey, Spider, c'est où? Je viens de chercher. T'es où? Les géonosiens, là, il faut chier. Les géonosiens, y'a des géonosiens? Bah oui, il y a des petits coups. C'est quoi ce racisme? J'arrive pas à tuer les gens. Je suis bloqué. Putain, c'est quoi ce diesel? Ça a l'air de marcher un peu, en tout cas. Hein. Franchement, ouais. Ah, un droïde roquette, c'est bon. Yes, lui, c'est bon, là on peut pas perdre. Oh, assistance, élimination, j'ai fait une kill. C'est bon, j'arrive. Non, c'est bon, mec, j'arrive. Yes. Putain, je te vois. Je peux avoir ma première personne par contre? Non, je peux pas. Ok. Tu restes appuyé sur C, enfin moi. Non, mais avec beaucoup de personnages spéciaux, je crois que tu peux pas. Allez, c'est parti. Parce que t'es avec lesquels là? Je vais sauver l'univers, le droïde. Boum! Est-ce que c'était pas un bot ça? Je crois que j'ai sûr. C'était 2006, non, je pense que non. C'est un zoomer ça. Ah, d'accord, ok. Ça, lui, il écoute Antarctica de Suicide Boys, lui, toujours. Toujours, en boucle. Il écoute Apocalyptica là, depuis qu'il a mis le Ok. Personnage spécial égale troisième personne. Eh bah, c'est nul. Moi, j'avais envie de voir mon gros avant-bras. C'est caca. Waouh, quel homme. Oh, je te vois là-bas. Attends, meurs pas. J'arrive avec mes petites jambes de droïde. Il y a une tourelle, j'essaye de la détruire, Ramène. Spider et Russian, une histoire d'amour de droïde. Bon, par contre, t'es où là? Ramène-toi là. J'arrive, je suis là, regarde, je suis juste là. Eh, coucou, ouais, coucou. Eh, t'as l'aine? Je suis mieux payé que toi. Oh, y'a le compte du cul. Oh putain, faut le suivre. Viens, ouais, il s'appelle Raptor Iceman. Roulade. Oh, putain. Ah, ça fait pas des roulades, ça fait des dashs avec un truc, moi. Putain, ouais, t'as des propulseurs dans le dos, c'est stylé. Ah, je peux pas le faire en l'air. Bah, moi non plus. Oui, donc si vous entendez des bruits d'erreur Windows, c'est parce que quand je fais Alt pour faire une roulade, ça fait une erreur Windows. Et c'est à ça qu'on connaît un jeu qui a été bien codé. Oh, y'a un mec là-bas. Je crois que j'ai morflé une poco. Attends, t'inquiète pas, regarde. Piou, tire de couverture. D'ailleurs, j'ai tué un pote. Ouh, niveau 2. Eh bon, on a gagné. Putain, voile. Bah, évidemment qu'on a gagné, regarde. Parce qu'on était là. Parce qu'on est des gamers aussi. Yes. File-moi un vaisseau spatial, je vais y aller là. Non, file-moi ça, ouais, yes. Putain, hey, ah, par contre, tu manges très très cher rapidement, j'ai l'impression. Hein. Mais je pense que les mecs d'en face trichent. Ok. Ils peuvent que tricher de toute façon. Faut embarquer dans qui là maintenant? Oh! Piou, piou! Embarquer dans les transports! Piou! J'arrive pas à le tuer. C'est quoi A? C'est quoi E? C'est quoi F? Ok. Je suis pas sûr. Attends, mais... Il m'a tué avec des cailloux, Bodo. C'est super loin. Oh, bouchouchoun. Mais attends, 160 mètres, putain, je vaux Hyper-U, c'est encore plus... Non, ouais, c'est bon. Comparaison Hyper-U. C'est bon, les gars, c'est bon, t'inquiète pas, chat. Je suis en train de prendre un officier. Je vais mener nos troupes vers la victoire. C'est à 200 mètres, t'as raison, c'est loin. Attends, est-ce qu'ils vont partir sans moi? J'ai l'impression que ça va partir sans moi. Ah, ouais. Ouais, faut courir. Oui, d'accord. Comment on fait pour courir? Je peux pas courir plus vite. Y'a de la king, ma chope. Attends, quand ils disent embarquement terminé, est-ce qu'on peut quand même s'accrocher? Mais mec, comment on fait? J'ai buté Anakin. Parce que... Ah. D'accord. Ah. Ok. Eh ben, c'était bien. Je te propose d'aller sur Raft. Le mec qui appuie sur tous les boutons, il tabote bord. Bah oui, j'ai vu un mec, j'ai un peu paniqué. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a un genre de skill qui me ferait instantanément tuer un être vivant. Mais non. Ah, et du coup, ça continue dans le... Ah, mais c'est la suite. Oui, il y a la partie Titan de 2142, qui est un bien meilleur FPS d'ailleurs que Battlefront. Qu'est-ce que t'es? Putain, t'es vraiment un gamer. C'est quoi ça? Oui, de commando. T'es vraiment un gamer. Putain, t'as débloqué des trucs, moi. Vas-y, je veux jouer. Ah, mais ça m'a coûté des points, 2000 points. Je veux jouer le 2000 points et je suis. Vas-y, file-moi un droïde lourd et là on sera bien. Par contre, j'ai l'impression que ma caméra en troisième personne est beaucoup trop éloignée. Bah, le problème c'est qu'en fait, le FOV il est pas grand quand t'es à la première personne, mais quand t'es à la troisième, c'est beaucoup trop. Ouais. C'est bon, regarde, j'ai pris un droïde lourd comme ton sens de l'humour. Boum, dab. Allez, on se casse. Viens, on va voir. Oh, mec, regarde-moi comment je dash. Vas-y. Oh, mais t'es un ninja. Vas-y, Genji. Oh. Ouah, trop intéressant, regarde. Oh, attends, mec, regarde. Oui. Bah oui, donc d'accord, t'es littéralement Genji, ouais, ok, d'accord.
What about Widowmaker? Franchement. Quoi? Franchement, c'est pas très Halem. Si, bien sûr que si. C'est carrément pas. Bande d'enculé de communiste! Oh, une grenade! Je m'en fous, j'en ai eu un au couteau. Au couteau? J'ai gagné commando. Putain, mais t'es vraiment un gamer! Ah bon, ok, c'est bon, je me soigne. J'ai déjà pris des vies, hein. Scolaire qui me traite de connard, je crois qu'il a reconnu la chanson. Ah, y'a du gaz! Non, c'est bon, ok. Comme dans les années. Ouais. C'est une soirée là! Dans les années 80, il ouais, y avait beaucoup de fumée quand ils étaient dans les. Sous les lumières des stroboscopes et tout. Sous les lumières! Bon, allez, il faut jouer l'objectif là, c'est bon, Spider, ta gueule. Faut jouer l'objectif. Mais t'avais dit, on joue en rigolo! Non, maintenant, on joue en PGM, ok? Comme en 2006. Ok, on va leur montrer de quel point on va leur montrer la rage des boomers. Allez, vas-y, prends tout ce que t'as pris sur Quake 3, Gérard! Le mec il commence à faire du feu d'hier. Et bim mon gars, j'ai buté un mec. Étape clé terminée, ça veut dire que j'ai gagné la guerre. Nous avons placé une charge. Qu'est-ce qu'ils chantent les zoomers en ce moment, des trucs connus là? Cascada. Rockstar. De Rockstar. Attends, un petit verre. Chef, un petit verre, on a soif. Putain, viens là petit con. Oh, je vais le défoncer. Viens. Ah merde, ça m'a oublié. C'est super compliqué d'être androïde. J'ai planté l'objectif. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat. Ok, c'est bon. Il y a des mecs de l'autre côté ou comment ça se passe? Je suis sur B. Mec, je sais pas où je suis. Hein. Attends, j'arrive sur B. Ok, c'est bon. En fait, j'étais en train de courser Yoda, mais il a réussi à se barrer, ce bâtard. Non, mais c'est que sa petite taille là. Comment du gaz peut t'affecter? T'es un droïde, bordel. Mais mec, mais je crois que tu te rends pas compte que l'univers étendu est bien plus grand que ce que tu l'imagines. C'est vraiment quelque chose. George Lucas a ruiné sa propre licence. Mec, je suis paumé à un niveau intergalactique. Moi, je suis tout seul à mon point comme un prolo. je regardais les touches pour faire les émotes. Je sais pas où je vais. Putain, mais c'est où? Y'a pas d'escalier dans leur truc. Attends, la mêlée déjà, c'est V. Ah. Mais jamais. Jamais. Putain, d'accord, on a des petits coups de crosse mignons. Comment on fait pour monter? Oh, attends, y'a des répliques. Yamelo. J'ai pas de réplique. Mais non, t'es un droïde. Enfin, je veux dire, attention, s'il y a des droïdes qui nous regardent, je veux pas donner l'impression que les droïdes n'ont pas droit à la parole. Sur moi. Ah tiens, Bob Dahl a vaincu Spider. Tiens. C'est bon, j'ai trouvé l'escalier. Après 16 semaines, j'ai réussi enfin à trouver l'escalier. Toujours pas de point de compétence, mais comment je suis censé être un gamer? Yes, j'ai buté un mec. Mais j'ai buté deux mecs. Mais c'est trop facile ce jeu, mec. Regarde comment je suis haut dans le classement, je suis 18ème. C'est quoi? Ah putain, je suis 19ème. Ah non, non, c'est moi qui est 18ème, c'est toi qui est 19ème. Ah, oui. Ah ouais, exact. Attends, sur les Gatling, mon gars. Ils sont où? Des gens qui me tirent dessus. C'est la guerre, je prends des armes. Vas-y, écoute le bruit de mon arme. Le bruit de mon arme ou le bruit de mon arme? J'ai longtemps hésité à écouter. Le bruit de mon homme. Ouais, je me suis fait défoncer aussi. Ouais, je viens de voir ça. Ouais. Mais j'ai 2500 points, je peux désormais commander chez Deliveroo. Non, y'a personne là? Non, y'a personne d'autre que je peux choper les points de bataille. On va se faire niquer l'objectif. Objectif? Attends, je reprends commando, c'était mieux quand même. Ça connaît pas les layouts des Super Destroyers. Ça connaît pas les layouts des Super Destroyers alors qu'ils ont été tous détaillés dans Géo de République. Attends, y'a un mec là, Anakin, brune. Mais je vois, mais t'es de l'autre côté là-bas. Mec, j'ai vaincu Anakin Skywalker tout seul, j'étais littéralement tout seul, y'avait personne autour. Personne ne dit, y'avait personne autour. Moi je me suis construit tout seul. Aïe. Point faible, saboté. Merci. Mec, oh. Il se passe beaucoup trop de trucs, je suis désolé. Après, faut quoi, vas-y, je t'écoute. Ouais, le jeu est super joli. Oh, il fait des trous. Oh, y'a Grievous qui fait des trous. Grievous refait des trous. Grievous refait des trous, STP. T'as dit quoi? Attends, je vois pas du coup. J'avoue, monsieur. Trop bien, vas-y, il fait tourner les sabres là. Ouais, ce gaz fait toucher. Oh, y'a Chewbacca en face. Bourrine-le.
Je peux pas, j'ai plus de trouve un boulot. Trouve un boulot, Chewbacca. Yippie. J'allais pas dire le mot que crie la vieille dans Fatal. Non. Non, merci à Neostera pour le resub de 8 mois. Ah, putain, on a perdu. Je crois qu'on a perdu. Pète-moi le Wookie. La LMF au combat, ouais, je crois que là c'est une peinture, c'est une fresque de tout ce qu'on apporterait à un champ de bataille. C'est pour ça que la semaine prochaine, on fait un stream sur Squad et sur Verdun juste après. Quelle bonne idée. Eh, mais c'est pas fini. Mais si, c'est fini, on a perdu la guerre, c'est juste qu'on va se refaire un petit tour. Si on fait un petit tour de stade, c'est normal. T'es où, attends? Ah, t'es là-bas. Me fais écraser par Bigule. Ouais, je vois, ouais. Coucou, coucou. T'es là, je crois que tu étais sur le sud. Tu crois que je t'ai pas vu? C'est ça, roule et tire. Nos renforts arrivent, on n'a pas besoin de renforts. On est des gamers. C'est nous, le renfort. De toute façon, les gamers, ils vieillissent pas. Ils gagnent de l'XP. Ils level up. Oh, moi aussi, je peux devenir un héros, regarde. Oh. Ah, mais d'accord, ça sert à ça, les jumelles. Les jumelles, c'est trop bien. Comment je fais pour noter des mecs? Ah, comme ça. Ennemi marqué. Je vais rester là toute la vie, si ça vous dérange pas. Tu fais le recon. Je fais le gros recon. Oh, un Jedi. Oh, y'a un mec arrive, Oh, y'a un biker. Nique ta mère, les bikers. Putain, par contre, ils ont chopé la VF de Christopher Lee. C'est bien. La VF, elle était pas morte. Ah, oh, je me suis fait bourriner par Bébien Rodriguez. C'est quoi comme méca? Stéphano sur roulette. Oh la chance, Stephen Hawking. Envoyez les droïdes Bébien Rodriguez. Arriba. Oh, j'en ai eu un. Bien joué, poteau. T'as combien en score? Putain, t'es devant moi. Vas-y, t'es devant moi, mais pas beaucoup. Vas-y, attends, je vais te bourriner. Parce que j'ai déjà pris Widowmaker, moi. Oh my niggas, Rockstar. Ah, il y a fois, moi, je joue Red Dead Redemption, mais il a été développé par Rockstar. Rockstar. Putain, j'ai failli buter. La mère m'a abandonné à la naissance, mais je suis devenu une Rockstar. Rockstar. J'adore cette chanson. Je fais des sweeps de la monster, je suis une Rockstar. Crochet grand genre et une voiture et ça sera une roadster. Moi je préfère jouer bien avec d'autres jeux que Monster Hunter. Et des fois quand je chauffe je bois de la water. Ouh. C'était vraiment nul. Waouh. C'était bien de la merde. Je suis en plein désert paumé, j'ai soif. Est-ce que tu peux venir me chercher s'il te plaît? Eh hey, mais t'es de l'autre côté. C'est quoi ça? Oh, y'a des mecs ici. T'es de l'autre côté. Attends, je m'en fous, je vais tous les niquer. Mec, je viens de voir ton pseudo s'afficher dans les kill feed. Mec, il m'a buté avec une arbalète laser furieuse. Je fais comment, moi? C'est MGR, en fait, c'est pas... Ouais, c'est ça. And it will come. Comme moi. Like a flood of rain. Moi aussi je comme. Par contre, l'aberration chromatique de ces morts là, je vois rien. Attends, y'a Momo qui m'a envoyé un message, j'ai l'impression que c'est important. J'ai l'impression que c'est Momo. Attends, il m'a envoyé un gif de 2 secondes les gars, mais le gif s'affiche pas à cause de cette putain d'application Messenger qui est complètement niquée de la tête. Il me dit pour combien tu la laisses te péter la gueule et juste après y'a un gif et je suis sûr que c'est Gina Carano ou un truc comme ça. Attends. Franchement 5 balles. Ah oui, non, toi tu donnes 5 balles pour qu'elle te pète la gueule en fait. Putain, ça mais... dépend avec les nichons ou pas les nichons. Ça faut demander mais à Momo. Faut qu'on discute un jour. C'est quoi que tu m'as envoyé, Momo? C'est ça, c'est Gina Carano que tu m'as envoyé. Objectif rempli, yes. C'est bon, j'ai gagné la guerre. Let's go home, boys. Oh, attends, j'ai un petit véhicule. Où ça? Ah, c'est toi dans le tank là? Non, il s'appelle le Pate. Ah, bah c'est ça, toi aussi t'as un Pate. Ça le Pate. Comment c'est? Putain, faut que ça se joue la manette. Et donc, vous sur le chat, pour combien vous laisseriez Gina Carano? Alors, on parle de Gina Carano 2005, avant qu'elle devienne un 38 tonnes. Combien vous. Enfin, combien vous acceptez? Vous accepteriez qu'elle vous pète la gueule? C'est quoi ça? Pourquoi t'es en jaune? Oh non, n'importe quoi. Attends, ils vous montent. Viens. Oh! Je vais mourir, je vais crever. Gamer rise up. Je m'en fous, j'ai passé un niveau. C'est pareil, je suis pas. Gamer rise up, tu crois que je t'ai pas entendu?
Je vais reprendre Commando parce que vous voyez que je teste beaucoup de choses quand même. Tu ouais, donnes 100 euros pour que Gina. Mais les mecs, je vous rappelle qu'il faut qu'ils vous. Vous allez vous faire péter la ganache. C'est pas. C'est... Ta gueule. La ganache. Pas la ganache. J'ai dit quoi? J'ai dit la ganache. Oui. Ouais, bah c'est pas grave. Un McDo. Un kebab. D'ailleurs, je sais pas si t'as le son assez fort, mais ils ont bien repris toutes les OST des. Oui, je viens de l'entendre. Je sais pas. Est-ce que le son est assez fort pour vous au niveau du jeu, les gars? Est-ce que vous entendez bien la musique, les tirs, etc.? Ça fait tout tout loulout, tout 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 tout. Je le fais à la bouche pour ceux qui n'ont pas entendu. Ah mais ça marche super bien. Mais pour Gina Carano en fait, faudrait accepter qu'elle te pète la gueule pour 8,30€, comme ça tu partages une clope avec elle. Et après elle t'aime bien. Non mais elle fume pas ça. Ah si, remarque, maintenant c'est un gros cul, je suis sûr elle fume. Je vais reprendre. Attends, Gina Carano c'est laquelle? Gina Carano c'est la pote de Ajax dans Deadpool. La pote de... Elle est pas ouf. Bah maintenant oui, elle est un peu fatou quoi, mais à l'époque de parce que c'est elle qui jouait Volkova dans Command & Conquer Alerte Rouge. Et à cette époque-là, elle était déjà un peu. Bah déjà elle était encore dans le circuit et ouais. Mais comme disait Momo, c'est toujours mieux qu'on Ronda Rousey quoi. Putain, mec, sa voix dans MKX, c'est une horreur. Hey motherfucker. God damn. Oh, on prend le ping, on prend. Attends deux secondes. Le son est bien, mais il y a un son parasite de temps en temps qui empêche de bien entendre. Je sais pas d'où vient le son, mais il essaie de faire des vannes et rit. J'en étais sûr. Victoire et boum les gars. Bah, c'était super facile. Putain mais donnez-nous des jeux un peu plus compliqués parce que là. T'as fait 5 éliminations. Eh, je ouais. Alors, regarde, je suis où là, dans le top. Regarde, c'est Claude en premier. Tu vas me faire croire que Claude, il y connaît quelque chose aux jeux vidéo? Ah mais Claude aussi, il est beau gosse. Franchement, il y a un mec qui s'appelle Claude. Est-ce que tu l'emmerdes? Non. Bien dans l'Empire, il y a le printemps qui chante. En vrai, j'ai envie de le DL, le jeu. Bah oui, nous, on a pris l'Origin Access, c'est ça? Ouais. Et du coup, pour 5 balles par mois, tu as accès à plein de jeux. Et puis du coup, on joue à celui-là. Je trouve que c'est plus ou moins assez. Mais en vrai, il est vraiment sympa. On se marre bien. On se marre bien dessus. Bah après, on se marre bien parce qu'on fait les cons. Je suis pas sûr que dans un level skill extrême, tu vois. Bah faut pas faire de l'e-sport dessus, quoi. Faut pas faire de l'e-sport, d'ailleurs. Regarde, j'ai gagné tellement plein de niveaux, mec. Oh, sur Kashyyyk. J'adore Kashyyyk. On va avoir des belles plages. Du coup, oh, c'est bon, en plus, j'ai mon super camouflage. Non, faut pas que ce soit la plage. Faut que ce soit la base navale. Bah non, moi je voulais... Dans la mer, si, avec les plateformes. Je voulais la plage, je voulais bronzer mon mais petit clone. Mais attends, t'es un boomer ou t'es un zoomer? Mais qu'est-ce que ça fait de moi un zoomer de vouloir siroter une piña colada sur un transat à Kashyyyk? Je suis désolé. C'est quoi cette stigmatisation, là? Est-ce que tu vas être pris sous la pluie aussi? Oui. Je suis pas beaucoup dans le yoga. Elle est bien quand même, cette musique. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, vraiment sympathique, quoi. Elle est vraiment sympathique. Allez, c'est parti. J'ai pas fini, j'ai dit mon perso. Allez, les Pedro, c'est partout. comme on dit dans l'Empire. On dit ça. Oh putain, c'est merci bien. Max pour le resub de 13 mois qui dit ça vaut le coup cette Origin Access au final. Ah, et bonsoir les PD. Bah, moi je trouve que bizarrement, ouais, il y a vraiment beaucoup de jeux dans le catalogue. Après, on ça. Ça ouais. Oh la vache, super ton skin. C'est le skin de la Megaforge, ça. Non, toi, le tien, c'est camouflage. Ouais, regarde, tu me vois pas, regarde, je suis où? Franchement, t'es bien planqué. Regarde, en plus, avec petite visière verte là. T'as vu? T'as foutu les traces de doigts dessus. Donc ouais, il y a beaucoup de... Après, ça reste une subscription, donc c'est toujours un petit peu voilà, chelou comme principe, mais au même titre que t'as Netflix, je veux dire, un catalogue comme ça, c'est pas forcément dégueu, quoi. Parce que t'as 146 jeux, je crois. Ouais. De dispo. Ouais. Et tu peux y jouer, ouais, tant que tu veux. Bon, évidemment, tu les gardes pas une fois que t'as payé un mois, hein, c'est pas le PSN. Voilà. Mais ouais, non, vraiment, vraiment, c'est sympa, ouais. Bah, quoi que le PSN, tu payes, mais après, si tu payes plus ton abonnement, tu peux plus accéder aux jeux non plus, quoi. Oui, mais bien sûr, mais bon. C'est le même délire. Je me fais les thèmes dans la tête pour que ça me donne du baume au cœur.
Si tu... Parce que tu t'amuses pas assez sur le jeu de base. Mais oh, oh, la vache. Tire. C'est bien, vas-y, protège-moi. Je peux pas mourir. C'est qui? Je crois qu'ils sont aussi bien camouflés que moi, les mecs. Je vois pas où ils sont. Voilà. Hop. Okay, y a quoi comme autre chanson? Je vais les flanquer, regarde. Oh là. Je te suis. Oh. Et dans les herbes hautes. Monte dans l'équipe maison là. Boum, j'ai détruit une tourelle. Viens, Spider, viens, reviens. On se met là, on est bien là, pourquoi on... Regarde. Putain de sa mère. On est bien. Je vois rien, j'entends plus rien, je suis sourd. Je n'aurais jamais composé ma sonate. Je suis music. Attends, okay. Ils sont où les pécores là? Je sais pas, je pense que c'est juste les armes qui ont explosé, sérieux. Ça peut être dangereux les espaces confinés. À la guerre, jamais. La combustion spontanée des armes, j'avais oublié. Bah sur Kashyyyk. Tu sais que d'ailleurs, c'est pour ça que la planète s'appelle comme ça, c'est parce que c'est le bruit que font les armes quand ils s'auto-combustionnent. Ok. C'est des arbres noirs. Kashyyyk. Ça passe beaucoup trop bien. Que chier. Ok, vas-y, on se casse. Ça, je fais des éliminations en pagaille. C'est marrant parce que j'ai pas vu un seul ennemi. Genre... Il se cache. Genre, moi, je cours au milieu de la route comme un grosse bulle parce qu'il y a une route. Je suis au-dessus de toi, je cours. Ouais, alors, il y a un... Attends. Oh la vache, le action roll qu'il a tapé. Oh, il y a un truc. Il y a un énorme véhicule là. Je viens de te kill steal, mon gars. Je crois que ce tank m'a vu. Non, mais je parle du véhicule. Attends, parce que oui, il y a un problème, c'est que je crois que le tank il m'a vu. Et du coup, si je bouge un peu. Je vais rester là. Je suis camouflé, ils verront pas. Mais tu peux lui tirer dessus, hein, si lui fait des dégâts. Mais avec mon blaster, ouais. Il va rigoler. Ouais. C'est la merde, c'est vraiment il la merde. Il va pas trop rigoler quand je vais tirer dessus. Ah. Voilà, c'est bon, la mort est venue me cueillir. Lucien, respawn sur moi. Attends, j'ai un TRTT. Ouais, respawn sur moi. Non, j'en veux un. Tu vas être au spawn. Yes. Oh, yes, mon gars, c'est parti. Merde, je suis en train de pendre sur mon truc. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Attends, mais je suis pété. Je suis sous mon TRTT, mon gars. Je suis pendu. Ah non, c'est bon. Ok. Ah non, c'est pas bon. Attends, viens. Attends, mec, bouge pas. Je fous une petite chanson pour qu'on se balade en même temps, d'accord? Okay. C'est comme des sortes de gros pipou. On est chez eux, Spider? Allez, viens, mon gars, on marche. En plus, je suis pendu en dessous, c'est génial. Attends, faut que je me mette à côté. The whole club is looking at her. She is the flow. Next thing you know, Shawty got low. Ok, c'est parti. Et on sprint. Allez. Get low. Toutou, Star Wars. Oula, ouais. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Oh, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis sur le côté? Mais qu'est-ce qui se passe? Get low. Attends, me touche pas. Merde. Ah merde. Non, si c'est bon. Ok. C'est bon? Je suis en train de faire mon goût, t'inquiète. Ah c'est bon, tu vois. Ah si, c'est bon. Non. Allez. Mais comment le jeu, il est autant niqué que ça? On a dit au début que le jeu avait fait beaucoup de chemin en un an, mais on joue et tout pète. Je comprends pas. Non mais il a pas. Fait beaucoup de chemin, mais il a... Pas dans il le bon sens. Des kilomètres. Ouais, c'est ça, ouais. Il a fait avant-arrière. Il a fait beaucoup de chemin, il a juste déménagé, quoi. Fast and penché. T'es où Spider? Je suis perdu dans les bambous là. Moi je vais vers E. C'est où E? A, B, C, D, dispute. C'est dispute, c'est ça? Avec tout. Ah, j'ai tué un mec. Tout, je suis immortel. Tout, je t'appuie sur tous les boutons, mon gars. Tout. C'est génial le BTTPTP là. Le BTT. Boum, j'ai vaincu plein de mecs, mon gars, je suis immortel. Je crois qu'il y a Millennium qui veut me recruter. Ah putain, la chance. Ils m'ont vu. Ah, je crois que c'est ton véhicule. Ah, t'es mort. Pas possible. T'es mort et t'es nul.
Ah mais du coup je suis obligé d'être à pied comme un prolo. Moi je voulais m'amuser comme les autres. Des grenades, ok, je me casse. J'adore ces trucs, c'est trop bien, on dirait une grosse autruche nulle. Pourquoi il avance pas? Je suis bloqué, j'arrive plus à avancer. Je me suis fait hacker par un watchdog. Je panique. Sors, ok, sors. C'est bon, je suis mortel. Sortir des véhicules? Bah oui, on reste en appuyé sur G. Oh, mec, le con. Je lui ai tiré une balise de... Ça a fonctionné? Plutôt, bah il m'a tué du coup, ouais, ça c'est plutôt quoi, c'est bien. En fait, je croyais que j'avais... Oh, attends, j'ai un speeder bark. C'est pas une barque, hein, mais le tu nom... Vas, mec, par contre, tu sais qu'elle est ultra fragile, tu rencontres un obstacle, tu crèves, hein. C'est parti, mon gars. Je vais voir passer à 300 km. Je vais sur le point C, mon gars, ils vont jamais m'arrêter. Non, tu sais quoi, je vais aller jusqu'au point E, je vais les contourner. Comme ça, je contourne la ligne de front, et je pourrais tactiquement revenir dans leur cul sans qu'ils suspectent ma présence. Et hop! Tu utilises beaucoup trop de mots intelligents! Et hop! Attends, comment on sort? Et hop! Non, c'est bon. Je sors le fusil à pompe, mon gars, et là, il me lâche plus. Franchement, je sais pas où je tire, mais je vois des points avec ennemis touchés. Impeccable. Ok, j'ai tué deux mecs, mais je trouve que déjà, c'est pas mal. Mais je crois que c'était des bots encore. Un mec, il m'a tué, il s'appelle Roba. C'est quoi, Roba? Ce qu'il voulait écrire Robert, mais c'est compliqué. Ah d'accord, Roba. C'est le petit kill. Mais je t'ai dit, mais putain, pourquoi vous me croyez pas quand je vous dis que je suis un PGM? Je comprends pas. Moi, c'est la vidéo de Battlefield 1, moi, qui m'a mis un truc la puce à l'oreille. Quoi? Notre vidéo la plus successful, tu veux dire? Oh putain. Non, la plus successful, c'est... Replay, oui, ta gueule. Espèce de connard. Je te suis, Spider. Je te couvre. T'es tout seul. Je te suis. Boum. Ok, tout seul. Bah attends, j'allais pas me mesurer à des forces qui sont bien au-delà de mes compétences. Y'a un ninja qui veut me chasser, Il me chassera jamais. Je sors la mitrailleuse, je suis mort. Mec, attends, reviens au fait par défaut là. Ouais, d'accord, j'arrive. Ok, je suis là. Je suis au milieu de la cambrousse. Oh, t'es pas du tout sur moi. Et je suis tout seul. Qu'est-ce que je fous là, moi? Mec, Mais ils m'ont lâché en rase campagne. Je suis tout seul avec deux blasters contre trois mecs, c'est super. Mais allez, mais combat là. Comme immortal. Aïe. Darth Maul. Ah, oh, putain, j'ai failli tuer Darth Maul, mais... bizarrement, son épée laser qui coupe à travers tout a eu raison de ma petite arbalète. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment déplacé. C'est difficile à comprendre, je t'avoue que... Mais t'es encore dans le mode suprématie, aucune idée, mec. Je crois que c'est suprématie royale ou je sais pas, battle royale. Ah oui, bah, battle suprématie, ouais, je vois. Franchement, là, on est en roue libre depuis tout à l'heure. Et non, je bosse pas pour l'ennemi, GameTalik. C'est juste que j'ai une technique particulière que les gens ne comprennent pas forcément au premier abord. Ils prennent ça pour la lâcheté, mais pas du tout. Je saurais putain, pas dire ce que c'est, mais. Il m'a tué Ruyu. Ruyu? Il s'appelle Ruyu. Ruyu? Mais voilà, ça, c'est des bots, ça, non? Mais non. Mais c'est moi pas j'ai. C'est pas possible, tu m'as dit j'étais un gamer. Mais attends, moi j'ai niqué un mec qui s'appelait Roba qui bougeait pas, toi t'as buté un mec qui s'appelle Royu, c'est quand même bizarre non? Ou alors on putain, est peuplé par des Chinois. Bah, évidemment non, que c'est des bots. Évidemment. Je me suis fait bourriller en cul par un NVDP 88 russe. Ah lui non, par contre c'est pas un bot. Lui ça. Rarement. Ouais, ça rarement, ouais. Putain, je vais prendre mon sniper, comme ça je vais pouvoir en finir avec cette menace. Sois un gamer boy. Je suis derrière toi. He was a gamer boy, she said see you later boy. On est en dehors là. Mais non, on est en dehors. C'est mon spider, je te suis dans les buissons là. Ils nous ont repéré immédiatement. Oh la vache. Ok, donc les ragdolls sont présents. Oh putain. On a fait 5 minutes. Vas-y, et encore. Va sur D5 là. Ouais, ok. Lui c'est ce qu'il fait lui. Oui, il y a une chanson cool derrière. Regarde derrière toi. Quoi? Are you ready? T'es où? Qu'est-ce que... Mais tu vas où? Superman, reviens! C'est un aigle! C'est un avion! Non, c'est Spider qui sait pas comment marche son jetpack! Attends deux secondes. Alors, si j'appuie là... Allez! D'abord, les gars, je peux faire des... Normalement, si je contrôle mes touches, je peux faire... Si tu contrôles tes touches, c'est mal barré. Putain! T'as lancé une grenade, là, non? Non, je fais juste des coups dans le vide.
Attends, je te regarde. Je te regarde avec mes jumelles. Allez. C'est parti. Là-bas. Là-bas, guerrière. Oh, ah, mais comment il est content. Oh, ça m'a tué. Oh, ça m'a éclaté, mec. Merci pour le resub, Skullbreak, pour 5 mois. Merci beaucoup, man. Merci, mec. Ah, putain, t'as vu comment il a couru. Genre, on aurait dit la petite maison dans la prairie, quoi. Ah, et merci aussi pour... Attends. Si, ça, ouais, il y a Kilo aussi qui vient de se resub. Merci beaucoup, man. J'ai cru que j'avais mal lu. Ah, écran noir, on a perdu. Non, c'est bon. Non, on a gagné. Oh, putain, je kiffe ces vaisseaux. Oui. Je suis au max, là. Je suis au max. Tu prends sniper comme un fusil à pompe. Bah, quoi? Comment ça? Comment ça, comme? Je crois qu'il y a des trucs qui m'ont pas expliqué pendant l'entraînement rapide avec les écrans qui clignotent, là. Parce que oui, là, c'est on est encore tous des clones là, oui. Oui. Ouais, d'accord. On vient de comment? La planète qui n'existe pas là. Allez, tu sais ça toi. La planète dans la flotte. Mais non. Ah. Avec les mecs qui ont des longs coups. La Somalie. Et on arrête la forme. Oui, Camino, c'est ça, Camino l'autruche, t'as raison, putain. Eh, Camino. Mais en fait, c'est Camino que j'aime bien, du coup, je retrouvais pas le nom tout à l'heure. Ah, mais c'est ça que tu disais, toi. Mais oui, mais ouais, Kashyyyk, c'est que de la forêt. Ou évidemment, Camino, c'est que de la flotte. Mais il est con. J'adore Star Wars. Attends, Escade qui dit, putain, j'ai glissé dans les marches, je suis tombé sur le cul, j'ai attendu 10 secondes en regardant devant moi, je me suis relevé en haussant les épaules. D'accord. Oh, le pauvre. Ça va, ton coccyx? Que je te remette ton coccyx? J'ai juste à m'asseoir sur toi. Je crois que t'es mort, je t'ai vu sur la droite. Non. T'es vraiment une merde, hein. Moi je suis pas mort depuis le début. Boum, et en plus je tue des mecs. Trop facile ce jeu. Ah, une explosion. Attends, j'ai une mitrailleuse lourde, je crois, moi. Ouais, ok. C'est un peu d'ailleurs le principe de mon personnage, oh, j'ai l'impression. Oh, au-dessus. Ouais, mais le problème c'est que. Ouais, c'est peut-être un peu facile. C'est que ça touche pas. Ouais. Le problème c'est qu'il est vraiment très très mal calibré ce fusil là. Attends, vas-y, il est en train de hacker un truc lui. Calibrating. Apple bottom jeans. C'est quoi? Pourquoi vous tirez sur quoi vous? Et sur les mecs, ah là, ils sont en ouverture là, c'est de là qu'ils nous tirent. Ah mais ouais, mais fallait dire. On l'a dit. Je crois qu'il y a un mec au fond là-bas là. C'est qui? Y'en a un qui s'est je crois qu'il y a Dark Maul quelque part. Attends, on peut entrer? Bonsoir. Ouverture. Je suis en train d'arroser comme un bâtard. Ouverture. Regardez la caméra. Oh. Russienne grenade, j'ai pas de grenade. Ah si, j'ai une grenade, dis donc. Oui, exact. Ah, j'ai chopé un guerrier Wookie, c'est bon. Allez hop, on a gagné. Ouais, bah oui. C'est dur, ok, putain, c'est chiant cette caméra de loin là. Pourquoi je peux pas jouer en FPS à mes jeux? J'ai payé 5 balles. Hein. Pourquoi je peux pas jouer en FPS à mes jeux? En FPS à mes jeux. Bim! J'ai buté Hans Brumafeut. Ah lui putain c'est pas un bot. Hein. Ouais mais c'est quelle partie de la création des bots qui est en Allemagne? Ah pour les moteurs peut-être. C'est un Ethereum ça. Je peux niquer le système comme ça là. Je peux niquer le game. Comme des champions. Boum. Série d'élimination 2 mec, j'ai 11 kills. T'en as 10. Pff. Oh le nul. J'en ai 11. Eh merde. Star Wars. C'est quoi ça? C'est une grenade. Oh, oh, il était trop cool. Ça pique, mais c'est trop cool. Et c'est quoi ça? Les environnements déchirent. Ça, y a pas. Le jeu était bugué de partout. Le sound design, il est complètement insane. Insane. Ouais, non, mais c'était une petite référence à la BO de Wet. Mais... Insane! Ouais. Ah, mais tu chantes mal. Aïe. Ah, quelqu'un peut m'aider? Bon chance! Yes! Oh! Je me suis pété la gueule? Je me suis pété. Ah! Ah! Mec, pourquoi mon personnage il s'est pété la gueule? Tu t'es fait chla. Mais tu. T'étais contre un héros ou quoi? Non, il y avait un truc qui me courait après, et Chewbacca, enfin un des cousins de Chewbacca, j'imagine, un de ses nombreux cousins, s'est pété la gueule. Qu'est-ce que tu fais avec l'autre? Tu crois que je te vois pas? Ah non, ça te bloque?
J'étais en train de courir, il y avait un mec derrière moi, je me suis pété la gueule. Il y a M2 qui dit que j'ai marché sur mes poils. Oui. D'accord, ok. Impressionnant. C'était vraiment super impressionnant. On m'appelle Steven Spielberg, hein, je veux rien. Ah ouais, bah non, mais ça m'étonne pas. Tu vois, ça m'étonne pas. Le joueur Wookie. Tout. Ah, j'ai une grenade là aussi que j'utiliserai jamais. Non, la porte. Ah, c'est bon. La porte. Je joue le droïde. Merde, comment il s'appelle? Merde, je voulais faire une blague, mais tant pis. Piou piou piou. Ils sont vraiment bien ces blasters. Hein. Y'a pas à j'sais dire. Pas, moi je joue avec deux pistolets là. Ils sont vraiment super économiques quoi. On pourrait aller super loin avec. Tiens, ah, Guernade. Guernade. La France a peur. Ah ouais, là tu me sors des références des années 90 quand même, pas des années 80 même. Mesdames et messieurs, la France a peur. Alors je voulais le kill steal, j'ai loupé. Bah moi non plus j'ai pas eu. Tweet. Je connais pas la chanson du tout. Putain, y'a beaucoup trop de mecs avec des jetpacks, c'est beaucoup bien. C'est beaucoup bien. Y'a un mec, y'a un méchant. Il va se faire éclater la gueule. Je me suis fait bourriner par. C'est qui? J'ai l'impression que c'est. Non, c'est Darth Maul. J'ai débloqué un soldat Kra. C'est quoi un soldat Kra? Les soldats Kra, je crois que c'est. Ah, avec les deux guns? Ouais. Oh yes! C'est comme les élites dans CSGO là, les meilleurs flingues du jeu. Les deux Beretta là. Oh le Pédonante. Le Pédonante. Ça me donne pas vu que t'as gueule. C'est une grenade ça? Ou alors ça. Ah ouah ouah ouah. Wow. Mine. Mine. Oh putain, j'ai activé une roquette. Mais y'a des explosions beaucoup trop. Scanner. Super blast. Ah. Ma petite ma gueule. Piou piou piou. J'aime bien ce jeu, je comprends pas, mais j'aime bien. Y'a plus de personne, ok. Putain, y'a du gaz. Le pédodante. Il est où mon pédodante? C'est quoi ça? Ah, c'est un ennemi ça. T'es mort, je t'ai eu, t'es moche, je suis mort. Oui, mais c'est compliqué, d'accord. L'espace a peur. Ouais, mais mec, c'est dur aussi, enfin, on est formé sur le tas. Moi, en tant que droïde, si tu veux, j'ai juste eu ma JAPD, quoi. C'est beaucoup trop bien. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un AT-ST. Et ça s'écrit V. Après moi, V. Merci. Mais je tue tellement. Merci. Vous pouvez applaudir. Ma grenade, elle est revenue, c'est pas normal. Oh, y'a des prolongations, yes, c'est les tirs au but après. Attends, vas-y, concentre-toi, faut pas qu'ils en marquent un là. J'aimerais bien. Oh, j'ai encore mon jetpack. Yes, ça peut être que positif. Ça peut être que positif le jetpack. Quand on regarde voit ce que ça. Quand on voit ce que ça a apporté depuis tout à l'heure, c'est vrai que on se demande comment on a fait pour pas gagner plus tôt quoi. Bah t'as vu, regarde. Enfin, il y avait juste à demander. Énorme dab de droïde. Super. Le droïde dab. Allez, une petite lampée de Coca-Cola dab. Une petite de l'eau du robinet. une bonne lampée de l'eau du robinet. Or, je suis où moi dans le top? Voilà encore. On peut voir les scores. Ah, je suis quand même 16ème. T'es où? T'es 18ème toi. Pff, de quoi? Bah, t'es 18ème, je suis 16ème. Avec mon skill. Ouais, ouais. En plus, t'as deux éliminations de plus que moi quand même. Ouais, mais c'est parce que t'as dû jouer l'objectif, tu devais être un performance gamer. Performance gamer. T'as vu que Claude, il a quand même 80... Claude, il a encore 49 éliminations, Claude. Et en face, c'est Derd Hyperion 03. Ouah, Mars Drake. Oh mon gars. Attends, y'a personne avec leur Twitch dans le pseudo, là. Mais qui a fait drink up. Mais... Now was it... Bon, bref. La personne avec t'as croisé personne avec leur Twitch dans leur pseudo? Non. Parce que ça c'est... Ah bah voilà Camino. Là on est sur Camino. Ah. T'es content? t'as l'air ah mais attends, j'ai des cartes du coup moi. Faut que je déverrouille des trucs. Défenseur, combattant. Je peux pas les voir moi là. Il me dit déplacement vers Camino pour supprimer Masrig et oui. Vas-y, je vais prendre ça. Je vais prendre une grenade super balèze et je l'équipe. La chance. C'est parti. Moi j'ai quoi? Ah si, je peux l'améliorer. Boum. Camini. Tout, 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 tout. Je m'appelle Camino.
Je viens pas de Coruscant. Oh mec. Le vrai France. Le vrai France. Au de coup. Le vrai France. Nous. Lucien, il achète une grenade alors qu'il m'a pas placé une seule autre que sur lui. Mais justement, comme ça, là, mes erreurs, elles seront comptabilisées vu que je mourrai. De bourrer. Je mourrai. Go faire le remix. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. C'est facile. Tout, bah, son instru, elle est faite sur FL Studio. Hein. Je connais tous les instruments qu'il utilise. Franchement, je l'ai fait en 5 minutes. Trop un gamer. Je suis un artiste quelque part, quand même. C'est à ça qu'on reconnaît les taureaux. Hein. T'es avec moi? Ok. Ils sont deux de plus dans la team d'en face. C'est pour ça qu'on va tous perdre. C'est pas parce qu'on est nul. Défoncé. On a Claude. Hey. Moi, j'ai passé au moins plus de 100 heures en solo local sur Battlefront 1 qui est sorti, genre, il y a longtemps. Et sur Xbox. Non, sur PS2. Oh, pardon. Ok, d'accord, je vois. Tu joues à la manette, là, comme des vrais hommes ou pas? Est-ce que tu as peur de la réponse? Non, je joue au clavier, il n'y a que dans les véhicules que je travaille. Are you afraid of the dark? Ouh! Ouah, Spider PGM de la République. Toulou, toutou, toutou. Pourquoi ils donnent pas de médaille au meilleur joueur Macron là? Je veux savoir. Mais attends, on va pas aller du tout sur Gamino, on peut pas piquer une petite tête? Oh, j'adore cette map. Putain, ouais, par contre, elle a complètement de la gueule. Elle a entièrement de la gueule. Hein. Je fais des bruitages. Hein. Are you afraid of the duck? Oh le casque. Oh le merde casque. L'intérieur. Mais je te dis, quand c'est beau, hein. Quand c'est beau, c'est haut, c'est d'art. Vas-y, retourne-toi, Spider, on fait des bisous. Ah, t'as changé de costume. Absolument. Ah ouais. Ah ouais. Allez, viens, on y va. On va tout défoncer cette fois-ci là. On a qui de notre côté? On a Fordo 66, on a gagné. On dirait un asile. Bah, c'est quoi, vrai que ça ressemble un petit peu à mon ancienne habitation. Une fléchette, je te la colle au cul. Bonjour, aïe, aïe. J'ai une livraison de désespoir pour ce canal. Il m'a fait peur ce con. T'as votre nom? Il m'a fait peur. Je peux vous demander une petite signature s'il vous plaît, ici? Je te fais une signature de ton cul. Merci, une petite fessée. Et hop. Allez. Voilà, merci bien, bonne journée, au revoir. Bisous. Bonne journée. C'était à l'heure. Il est venu reprendre son gilet de sauvetage pour quand on ira sur Raft tout à l'heure, c'est normal. Son gilet jaune. Il est bien loin. Il est venu prendre ses petits brassards avec des canards dessus. Par contre, cette map est très grande. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres points où t'es exposé. Je m'appelle Camino. Je viens pas de Coruscant. Je suis la maladie. On se bat contre qui là? Des clones? Les droïdes. Les droïdes? Oui, c'est nous les clones. moi je pense que je serais vraiment le clone qui se dirait mais la clone c'est d'où? C'est eux. C'est d'où les gentils? Mais enfin clone Michel 01, c'est nous. C'est nous les clones. Mais pourquoi les robots ils peuvent pas être clonés? C'est complètement encore. Bah moi je serais au CDA, je changerais tout ça. Sans con. Je serais pas patide. Pas pâtisserie. Pas le pâtisserie. Petit biscuit. Le clone qui a chopé des gènes trisomiques. Ah mec, pourquoi pas ça faire des homards. Pourquoi y a pas encore un animateur qui a fait ça sur un épisode de Star Wars ou je sais pas quoi, à faire des clones trisomiques, tu vois. Genre t'as une section qui a foiré. Genre ils ont mis les mauvais settings et ils ont pris que les maladies incurables, les maladies ça, orphelines. Ça c'est la 502ème ça. Ah c'est le Nord-Pas-de-Calais. C'est la Picardie. Yes. La quoi? Oh, une grenade. Pourquoi? Putain, on a un clone allemand. Grenade. Je me suis fait bourriner par un sniper. C'est facile aussi, hein. C'est facile. C'est facile les snipers, hein. Je vais te montrer comment on fait sniper, regarde. Ils se disent ce jetpack, ils se disent real life, ils se disent juste fantasy. Russienne, en soi tu as des clones un peu teubés dans le lore. Moi j'ai personne, Hoffman. Alors si tu dis tu dans le genre tu possèdes des clones, c'est faux. Oh putain comment il est trop fort. Il leur a emplété le virus qui donne l'autisme. Ah, le chikungunya là. Non, mais non. Zika, c'est ça? Zikette. Je devrais vraiment pas rire, quoi. Ils ont juste la Zikette, les cons. Y'a sniper.
Apple Bottom G. Il est parti où? Ah, je crois que j'ai tué un mec. Mais il s'est suicidé. Sniper, putain, non, il sniper, sniper. Merde. Putain, c'est. Merde. Par contre, V pour un truc de corps à corps, c'est pas ouf. Boom headshot. Je fais que de la merde. Boom headshot. Boom headshot. Ils sont où là? Ils sont où? J'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres. Boom headshot. Ils sont où? Mais je les attends moi les mecs. Je les attends moi les mecs. Regarde, c'est comme en ça fait... qu'on snipe poto. Boom. C'est super long. Attends, il est où? J'ai combien d'éliminations? Boom 9. Oh attends, attends, c'est quoi? Easy. Je les chope avec. Je les chope avec le radar. Comment vas-y. Tu fais déjà pour Je sais pas. Ah bloqué. Ouais. Je me suis fait mal. Il y a des. Sur les côtés, sur les côtés! Sur les côtés! Ouais, mais attends, je me suis bourriné d'en face surtout là. Tu sais quoi, je vais fuir. va m'aider toi, va me protéger. Ah, moi aussi, je me suis mis en sniper là. Oh! Il y a que j'ai vu sur toi! Mais non. Ah, il y a un mec en face. Aïe aïe! D'accord, ok, je vois. Bah, c'est vrai que Clone Wars, il y a un clone littéralement raté qui ressemble au bossu de Notre-Dame et qui passe sa journée à porter les armes et à passer le palais. Ouf! Putain, la tristesse. Ouf! Il s'appelle comment? Hoffman. Les Zika, ça rend les gosses moches. C'est ça que t'as chopé? Évidemment, je me marre à la Zika. D'accord. Je suis désolé, en fait, j'ai pris un peu de retard à force d'être un PGM, alors je lis tout maintenant. Alors, il y a Momo qui pose. J'ai l'impression d'être sur un genre un talk show, tu sais. Alors, on a Momo du 44 qui pose une question très intéressante. Y a-t-il des droïdes avec des TT? Alors, on a invité un expert. Ouais, un expert en TT de droïdes. Qui va nous répondre tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir dans la grosse titine. C'est comme ça que j'appelle ma mère. Ouh Martine, ouais. La grosse titine. Ah, je fais bourriner encore. Pourquoi t'as fait où? Parce que Martine, je sais pas. Martine, la titine. Attends, du coup, il a quoi lui? Ça fait quoi Les robots sex slave. Non, le seul truc rapport à ça, c'est que je sais que les. Oh. Ah, d'accord. C'est les Twi'leks qui servent souvent de sex slave parce que c'est tous des putes. Les mecs y compris d'ailleurs. Hein, c'est pas. Quand je dis pute, c'est générique. Hein. Mais les mecs aussi sont des putes chez les Twi'leks grâce à leurs grosses tentacules de pute donc. Oh. Mais sinon c'est le seul truc. Mais non, ouais, où ça? Regarde, ah il est mort. Je l'ai oh putain! Non c'est moi, a vaincu. Regarde. Non, c'est moi. Ok c'est toi. Oui c'est toi, j'ai menti en fait. Ok, je vais rester là, je vais healer un peu. Mais par contre, tu l'as buté pendant qu'il était en train de m'étrangler, mec. Ah oui, non, mais ça, par contre, ça, j'ai jamais dit que je l'avais eu en legit. Hein. Non, mais c'était bien. J'ai dit, t'es en train de m'étrangler, toi, tu l'as coupé. Je suis coupé la chicane. C'était impeccable. 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 Allez, je reprends mon soldat lourd, c'est rentré. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on est en train de se faire éclater la gueule. N'importe quoi. C'est juste moi, ou... yes. Ok. C'est juste toi, tout va bien là. Tout va bien. Personnellement, tout va bien. Après, d'un point de vue de la République, oui. Républicalement parlement, oh là, c'est dur à dire. Ouais, hein. Mais déjà que tu sais pas dire les trucs de base, essaye pas les trucs compliqués dès le début. J'en ai marre. J'ai vaincu Ril. Échec de l'objectif, ouais. C'est toi, ouais. Ok, c'était bien. Oh, je peux jouer. Mec, je joue Yoda. Tu déconnes. Je suis. Motherfucking Yoda. Attends, ils embarquent. C'est quoi, ils embarquent, faut que tu leur coupes la chiquette. Je vais leur couper la chiquette. Je sais pas ce que c'est. Il fait masse de kill. J'attends de voir. Lancez contre moi, tout. Wada. Putain, t'en as eu un. Toulourou, tou, tou, you are Jack. Aïe, soraga, okite kuru. Atsui kokoro kusai ne tsunai de mo. Ima wa mood daio. J'arrive pas à avancer. Touli douli doulou dou. C'est trop facile. Ils sont où? Je vais les choper. Je vais les défoncer, regarde. Oh, aïe, zalaf! Chac! Bim! Super soin de la mort! Oh, chat! Il y en a que 7 qui ont réussi à embarquer. Quelle bande de pécores. Oui! Gra, gra, gra. Et du coup là on s'en va où? Je sais pas. En oh. Région parisienne je pense. En région? Bonjour. Petit reportage sur la région PACA. En fait Yoda c'est Guts mais en version God Hand. C'est Femto. Putain Yoda qui viole Casca, je suis désolé, je peux pas vous enlever cette vision de la tête, mais Yoda qui viole Casca, c'est vraiment vénère.
Je vais jouer maintenant celui qui déteste le sable. Allez, c'est parti. Bah si, Anakin, il déteste le sable. Bah non. Mais bien sûr que si. Mais mec, tout le monde a mimé là-dessus pendant des années. Anakin, il supporte pas le sable, il le dit dans l'épisode 2. En fait, lui, il est pas là. Non, mais on est mort. Voilà, c'est ça, casse-toi. Tu vas rester là. Oh, y'a un mec là-bas, on va faire un duel. Je suis derrière toi, t'as intérêt d'être. Merde. Haha. Cha. Haya. C'est Darkwall. Je sais pas. Ouais. Ha. Haya. Cha. Avec le bourrin, il lâche à côté. Oh là. Y'a l'autre clone là. Oh, il est encore là. Ha. Putain, mais à chaque fois. Il m'a étranglé. T'as propulsé. Oh, c'était nul. Il est où? Attends, mon sabre laser il est désactivé. Eh hey, mais il sera actif dès que tu tapes. Hein. Boum. Dès que tu tapes. Attends, trop easy. Attends, merde, c'est pas chez moi ici. Comment on fait pour parer les Ah c'est bon comme ça. Droit. Vous m'aurez jamais. Je suis immortel. Par la grâce du Saint-Esprit et de Lord Pompadour, 13e du nom. Par mon joie Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Je sais pas ce que j'ai. Sérieux. Là, les références étaient pas ouf. Hein. Et je suis parti sur un solo, je suis désolé. Je me suis fait bourriner dans le dos par ces lâches. C'est encore un alien, là. Ceux qui refusent de trouver un job. Vas-y, je vais prendre soldat lourd. Ils sont payés par le... Ils ont un RSA d'alien. Alors, mon avocat veut pas que je réponde à cette question. C'est pas méchant. Ok. C'est français comme question. C'est très français comme question par contre, ouais. Vous êtes très très français. Putain, mais Ninja ouais, Boy. Tu t'es fait bourriner. J'ai vu ça, il c'était est encore ridicule. Derrière là, un ennemi non identifié est en train d'arriver. Je bourrine mais j'ai rien à bourriner. I must bourrine and I've got no target. Bon, okay, allez, bim. Champion du monde. J'aimerais bien animer sur toi. Alors chat, est-ce que vous êtes super impressionné par nos skills quand même? Mais attends, repli, quand ils disent repli... C'est repli. D'accord, ok. Non. Bah quand même, attends, j'ai 24 kills, mec. J'ai le plus d'élimination de mon équipe. Bon, ouais, en face, le mec tout en haut, il a 57. Mais voilà. Putain, 57 kills. Oh la vache. C'est vraiment un gamer. On reveut Yoda. Bah Yoda, il est occupé, ok. Yoda, il a un bordel sur la place Clichy. Ah, en assistance, j'avais Darth Napoléon quand même. Putain, c'est Popo. Popo, il est en train de jouer, il nous dit même pas. Grenade, mes gars, on va les grenader, mais comme des bâtards. J'ai grenadé de ouf et j'ai rien eu. I've got no grenade and I must... Get the feeling. Ouh. Tonight's gonna be Order 66. Oh, je fais un carnage officiel pompe. Je suis mort. 20 ennemis restants. C'est tout? C'est tout ce que vous avez? Tu me donnes envie de revoir l'épisode 3, donc je te donne envie de suicide, c'est ça que tu dis? Il est bien l'épisode 3. Non, j'avoue. Non, c'est vrai, l'épisode 3 c'est mon préféré des 3. Ah, moi c'est le 2. Parce que j'aime bien la bataille sur Geonogis. Geonogis? Et puis c'est là où il y a le FONG de le truc qui est l'épisode 3, c'est le meilleur. Doit te faire exploser. Les mecs qui ont dû voir ça, ouais, au ciné, je pense qu'ils sont tous morts depuis. Ils ont perdu toute leur oui. Leur oui on... Non. Jean oui. Jean oui. C'était ton quoi ça? Déjà c'est les inconnus. Je crois que c'est les inconnus, ouais. Jean oui. C'est un connard. Je suis désolé pour ceux sur le chat qui voudraient le retour de Aviator, mais Aviator, on n'a jamais réussi à lui reparler. On avait essayé de le corner sur Steam et il avait jamais répondu. Donc je pense qu'il sera plus jamais là, Radiator, Aviator. Et c'est très dommage. Oh, j'ai un jetpack. Mec. C'est ravioli. Mec, j'ai un jetpack. Vas-y. Mec. Vas-y, John Wick. Tu vas tomber dans le lit. J'ai vu le jetpack et j'ai vu la mort. Je suis venu, j'ai vu, j'ai ton but. Et voilà. Des 10 films, tu veux dire? Il y a eu que 3 films, personnellement, pour moi. Les 10 films. Les 3 originaux me cassent les couilles, je les trouve chiants à mort. Oh merci, mon Dieu. Quoi? Oh, bah, ils sont chiants. Ah oui, non, je trouve vraiment que c'est des films horribles à regarder. Clone Wars, j'ai pas vu, il m'intéresse pas.
Le film ? Ouais. En fait, le film, c'est un épisode long de la série. Épisode 7, j'avais bien aimé, moi, justement, avec Ray. C'est le 4, remake. Ouais. C'est lequel avec le Vietnam, là ? Comment il s'appelle ? Rogue One. Rogue One, j'allais dire Rogue Squadron, non, Rogue One. J'avais bien aimé aussi. Solo, je le regarderai jamais. Et il y a eu le 8 aussi. Le 8, ouais. Mais je l'ai maté, mais bah, c'était un film d'action un peu pété, mais j'avais bien aimé quand même. Enfin, ça m'a pas. Voilà, le truc, c'est que ça m'a pas dérangé, tu vois. Je l'ai regardé, je me suis pas dit, j'ai fait, oh ouais, allez, pourquoi pas. Mais voilà. Apparemment, tout le monde kiffe Rogue One, mais pour le coup, on avait fait la comparaison comme ça, mais les films de la trilogie originale sont clairement basés sur la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, avec les designs et tout. Mais Rogue One, c'est clairement le Vietnam, quoi. Les mecs, ils ont les gilets sans manches matelassés, les casques avec Born to suck my dick, etc. Enfin, c'est nickel, quoi. Born to suck droid. Non, pas vraiment, mais c'est pas grave. Il y a qu'une œuvre cinématographique Star Wars, c'est le Noël des Wookiees. Putain. C'est... Ah, il a... C'est le genre de van que... Comment il s'appelle ? Weird Al faisait aussi. Weird Al ? Weird Al, ouais. Weird Al ! Accoutrement. Accoutrement, c'est Harry. Rogue One, la scène de Darth Vader de fin m'a fini hérissant au cinéma. Par contre, ouais, à la fin de Rogue One, quand Darth Vader arrive et qu'il commence à bourriner tout le monde et que tout le monde se chie dessus, on aurait dit un slasher en fait. Et j'ai complètement surkiffé la scène. Faudrait qu'il fasse vraiment un film spécialisé sur une troupe de clones. Je pense une troupe comme dans République Commando. Ouais, c'est ça, République Commando, ouais. Oui, c'est vraiment très très stylé. Oui, j'ai l'impression que tout le monde se casse. Est-ce qu'on peut se barrer retourner au menu principal ? Oui, avec quitter. Ok, quitter. Ok, nice. On va chercher une partie. On va changer de mode. Tiens, on va prendre le mode de base. Il y a d'autres modes de jeu. Là, en fait, on était pas dans le mode de base, mais il y a un autre mode où c'est littéralement héros contre méchant. En fait, mode héros. Bah, si tu veux, on peut tester ça aussi tout de suite. On peut en faire une. Je pense que je vais moins aimer, mais allez, let's go. Il y a le mode titan. What? Mais c'est ce qu'on vient de faire, mec. je suis pas fou, hein. C'est Hoffman. C'est un mix entre Hoffman et l'autruche. T'es encore dans mon équipe? Ouais, ok. Oh la vache, c'est quoi ces récompenses là? Pourquoi j'ai chopé tout ça? Faudrait peut-être un jour que j'achète. Vous savez quoi? En live, et là c'est ouf, on va choper un skin. Est-ce qu'il y a Ray à poil? Non, on va pas prendre de skin. Par contre, t'as dépensé tes points de compétence pour pas les cartes ? J'en ai dépensé aucun. Eh ben voilà, tu sais pas faire. Mais attends, je vais prendre un skin pour le commando lourd parce que c'est celui que j'utilise beaucoup. Alors c'est quoi, pour ceux qui savent, qui ont le jeu, c'est quoi phase 1 et phase 2 là ? On n'a pas compris avec Spider. La phase 2, c'est dans le mode qu'on vient de faire quand on est dans le vaisseau par exemple ? Ah, tu vois, tu sais pas, connard. Quel enculé, non, ça, mec. Non, ça pour faire style, pour être intéressant. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ah, celui-là, ils sont cool. Oh, ceux qui ont un petit cul comme ça, là, j'aime bien. Voir. Oui, ceux qui ont l'espèce de... Tu sais, ils ont un tissu qui pend du cul. Je kiffe ces skins-là, moi. Garde de Coruscant, non, parce qu'ils servent à rien, en fait. Quand ça pendouille. Ouais, bon. Phase 1, c'est de Iron Man à Avengers, et phase 2, c'est juste... Quel tronc. Ok, je vois. Bon, allez, bref, on va jouer, on va pas prendre des skins pour l'instant. On va faire multijoueur et combat de héros. Oula, donc ça, c'est les pilotes. Donc non, affrontement héroïque, c'est ça. Et confrontation de héros, c'est quoi ? Oh, on peut faire... du coup, après ça, on pourra montrer les vaisseaux aussi. Ouais, si tu veux. Les personnages les plus emblématiques de Star Wars s'affrontent dans les combats d'équipe à élimination 2 contre 2. Ouais, on va faire 8 joueurs, plutôt. Allez, c'est parti. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde qui joue à celui-là, à ce mode-là. Bah vu que en fait c'est à peu près, tu sais, c'est comme moi, c'est tous les losers qui arrivent pas à avoir assez de points dans la partie pour avoir un héros, bah là ils peuvent s'amuser. Ouais c'est ça. Ouais. T'es en train d'approuver le fait que je sois un loser. Tout, absolument, non mais complètement quoi, et si tu l'avais pas dit tout seul, je te l'aurais dit. Oh putain, elle est cassée. Mais non, elle est pas cassée là en construction. Bah non, c'est la 2, ça. Ah oui. bah non, du coup, t'as raison. Bah... Non.
elle a été cassée et elle est en reconstruction. Oui. Mmh. Putain, mec, je viens de voir la ruse mentale de Ray inverse les commandes des cibles affectées. Oh, ça c'est génial. Allez, je vais prendre le meilleur personnage, Finn. Allez, c'est attends, parti. Let's go, mon gars. Let's go. Le personnage que tout le monde adore de la série de films que tout le monde adore. Il y a encore pire, il y a Leia. Hein. C'est comme si tu dis. Attends. Je peux prendre qui? Oh, yes. Eh ben, écoute, si tu prends Finn, moi aussi je prends la même couleur de peau. Je suis métis, non, un attends, mélange de couleurs. Oh. On rigole, mais je vais prendre Anakin. Enfin, je suis... Bah c'était c'est pareil. Hein. Anakin, tu sais, il a le N-word pass. Hein. Tu sais que Anakin avait un groupe de zouk sur ce Coruscant. Hein. Droid. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Il a commencé à chanter ça juste après que sa femme soit morte. C'est vrai? Non. Je parlais d'Anakin. Je crois que tu parlais de... Mais non. Eh, ça peut fonctionner. C'est dommage, il n'y a pas Windu. Ah bah là, on aurait pu faire une équipe entière Wakanda Forever. Oh. Ouais, non, c'est... Oui. En fait, quand elle a commencé à sortir, c'était acide. Il y avait un goût chelou. Ouais, il y avait un arrière-goût de pisse. Faut jouer les vieilles qui sert à rien à part bouger les doigts et sniffer de la coke. Oh la vache! C'est marrant parce que personne à part les acteurs et le cast, et etc., a de respect pour Carrie Fisher, quoi. Bah, genre, quand elle est morte, en fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Quand elle est morte, tout le monde a dit, ouais, bah en même temps. Même Mark Hamill, il a regardé, il a fait. Mark Hamill, il a regardé, il a fait, pff, petite nature. Moi, ça fait 40 ans que je m'enfile de l'héroïne, j'ai pas de problème. Allez, c'est parti, les meilleurs joueurs. J'ai pas du lait de pute. J'ai pas du lait de pute. Oh, c'est, oh, classe, Dan Sam. C'est vraiment stylé quand même. Je suis son papa. Oh. Ah, qui a oublié Mark Zuckerberg au milieu là? Avec une burqa à gauche. Allez, c'est parti. C'est quoi mes skills? Ah, ta gueule. Je croyais que t'allais dire danser. Allez, c'est parti, je m'en fous, je fonce moi. Oh, Roland, tout. Je sais pas où je vais, mec. Sans déconner, ça se voit à peine. Tout. Ah, je crois qu'il y a des mecs là. Chiche du côté. Je crois qu'il y a des mecs là. Si on passe par là et qu'on monte. Boum, y'en a devant. Putain, mais je suis tellement bon. Ouais, mais attends, c'est quoi? J'ai fait un truc. Défonce-le. Aïe. Je sais pas ce que je fais. Ok, y'a un mec derrière encore, je crois. Je crois que je suis en train de bluffer tout le monde. Bim. Bah, je l'ai eu, mais bon. Il est pas... Oh, mais, putain, y'a pas le patoche. Y'a pas le patoche. Tu crois que les gens dans l'Empire ils l'appellent Palpatoche vraiment? Comme Sébastien. Sébastien Palpatoche. Comme Sébastien Patoche. Quel connard. Je vais reprendre Yoda. Unlimited power. Je vois comment il court Yoda, il fait. Il court comme Carlo en fait. Vas-y, bute là. Bim, oh, bim, bim. Il fait corner, trap, corner, trap. Ouais, mais. Oh, il y a du cul. Je veux du huc. Ah, m'en péter la nuque. Du huc. Il s'est fait bolosser. Ouais, on a bolossé du cul. D'ailleurs, quand tu restes appuyé sur la touche d'espace pour sauter avec les héros, ils sautent drôlement. Sans déconner. Quand tu restes appuyé sur la touche espace, ils sautent. Oh, y'a Grievous en face. Je vois que dalle, c'est bizarre. Je vois flou. Je vois pas le patoche. Je vois comme Carrie Fisher après le samedi soir. L'histoire est samedi soir. Merci pour les subs, Azélia. C'était pour toi, c'est toi. Attends, je le ken. Bim. Y'a pas le patoche. Je bloque. Je sais pas ce que je fais. Oh, pourquoi t'as fait un trou noir? Je sais pas. C'est lui, ça, non? Je sais pas. Attends, est-ce qu'il s'est TP vers une autre licence? Il s'est TP. Oh non, il s'est TP vers Soul Calibur. Il s'est TP pour aller danser avec Vador. Oh yes. Oh bah tiens, en parlant de lui. Oh bah tiens, en parlant des meilleurs.
moi le héros. Allez, Ghost and Stuff, Ghost and Stuff. Putain, je suis mort, merde. Ouais, pareil. Putain, je suis premier de l'équipe. Petit Booba Fett. Booba Fett. Beaucoup plus grosse que des balles de ping-pong. Je me frappe le torse comme King Kong. Je sens qu'en fait, quand on comprend ce qu'il dit, il a des putains de lignes. Oui. Un jour. Un jour, je comprendrai le Wookiee. Le meilleur combat Yoda contre Dark Vador. Ouais. Je me suis fait niquer ma race. Attends, je suis en train de bloquer Palpatoche. Oh putain de sa mère. il est devant lui à la sortie du club, il fait « Tu sors pas, t'as trop bu Palpatoche. » Mais si, je conduis mieux bourré. Elle les mettait de power. Mais si, je suis très frais. Mais si, je suis très frais. Ouh, ils sont trois. Alors, je vais m'en aller. Je vais appuyer sur toutes mes compétences et voir s'il y en a qui marchent. Oh, ça marche. Mec, ça marche. Ah mec, j'ai juste bourriné toutes mes compétences et j'ai réussi à leur tenir tête. Après, je me suis fait éclater, mais c'est pas grave. Voilà, c'est exactement ce que je hurle à chaque fois que je joue à ce jeu. Techniquement, Grievous, avant d'être robotisé, c'était un croisement entre deux races qui s'aiment pas. C'est-à-dire... Un peu comme tes parents. Il a dit des races, pas des sales races. Oh, je me fais gank. Ouais, j'utilise des mots, ouais. Oh, le gamer. Ouais. Ah, je suis pris dans le temps, je suis pris... Zawardo. Tokyo Tomare. Oh, merde, je suis mort. Oh, Palpatoche, il s'est fait niquer. Je suis un gamer ou je suis pas un gamer? Tokyo Tomare. Tokyo Auto Retardé. Tokyo Hotel. Ta gueule. Ouais, je sais. Grievous, c'est un juif palestinien. Et bah, bonne chance. C'est pour ça ils toussent. C'est pour ça ils toussent. Oh là là. Ah, t'aimes bien les blagues de merde, hein. Tu les aimes, hein, les blagues de merde. Oh, tu les aimes, les blagues de merde. Allez, je vais prendre Obi-Wan. I have the high ground, Anakin. J'ai le côté haut de la terre. Le ground. Alors, je m'appelle Obi-Wan. Je suis de région parisienne, exactement de Fougères-les-Orties. J'aime beaucoup trop les ragdolls quand ils se prennent la force. Mec, mais regarde mes skills en bas, c'est genre du... C'est comme ça que parlent les sourds. Genre, mes skills c'est main pleine, deux doigts, mec qui court. Avec ça on va niquer l'Empire. Hein. Ouais, je me suis fait... Oh putain, j'en ai marre. Viens sur moi, c'est la merde. Je peux pas. Ils m'ont chelassé. Je me suis fait tuer par l'autre avec un complexe d'Oedipe de ses morts. Ils m'ont sabre laser le bout de la bite. Je fais comment? Hata. Oh, coup de pied dans la gueule. Mouya, je vais faire Spartan Geek. Haha, je maîtrise ton esprit maintenant. Je suis un gros pédé. Haha, il a dit qu'il était pédé. Haha. Vas-y, tiens-moi dessus, Boba Fett. Franchement, je vais me dire, je suis con. Reviens, t'es grand mort. Je pars tout à l'aide de mon sabre laser. Vas-y, ouais, yes. Ah, Zawarudo. Roda Rodada. Oh merde. Attends, je vais ramener la tête avec. Tu vas faire un pierre feuille ciseaux avec l'empereur. Ça, ce serait bien. Ça, ce serait un mode de jeu que tout le monde aimerait jouer. Je vais tomber, mais mort. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, le petit vieux, il essaie de se cacher dans un couloir. Mec, est-ce que sur le chat, vous avez vu le petit vieux qui essayait de se planquer dans un couloir au spawn? Mec, ça m'a pulvérisé. Allez, boum, je m'en fous, je l'ai buté. Merde, j'ai coupé le son sans faire exprès. C'est le bordel, ce mode. Ouais, bah, alors là, c'est un genre de MOBA, mais niqué de la tête, quoi. Mais t'as vu, il était là avec sa capuche, genre... Il me dérange jamais. Je suis caché. Je leur ai niqué tous leurs petits fours au buffet. Ah, t'as vu, je suis cinquième. Je suis sur le top. Je me vois pas. Et non. Putain, painful nanny. Painful. Du coup, tu veux qu'on fasse un petit peu de véhicule? Yes, on va faire un peu de vaisseau là, parce que tout le monde chiale. Yeah, ouais, il est ça. Monsieur Palpatine, c'est l'heure de vos pilules. Jamais.
Et il court avec sa petite robe. En fait, c'est une robe de chambre d'internement qu'il a. Et il essaye de s'échapper de Camino. Ah, attends, j'ai une caisse à ouvrir. Eh, les gars, on fait les ouvertures de caisse en live, d'accord? Waouh! Allez, c'est parti. Je suis désolé, je t'ai coupé, attends. Alors, qu'est-ce que c'est? Caisse émote manque deux fois. Cette caisse contient les mots de Dark Vador manque deux fois. Bah, pourquoi je dois l'ouvrir du coup si c'est. Bah, ils sont cons. Mais pourquoi? Bah, oui, bah, du coup. Ah, oh, bah, tiens, les mots de manque deux fois. Attends. Attends, est-ce que moi aussi j'ai débloqué les modes mode deux fois? Bah non, j'ai eu 500 crédits. Ah bah oui. Bah moi aussi je l'ai eu. Bah. Bah non, est-ce que je l'ai eu? Alors j'ai eu 500 crédits. Mais je crois. Ouais, j'ai eu 500 crédits. C'est quoi cette merde? Attends, mais quoi? Mais je comprends pas. Mais. Pardon. Ah si, manque deux fois, ça y est, c'est bon. Mais je crois qu'en fait on a eu ça parce qu'on l'a déjà. Parce que si tu l'as, ça veut dire que je l'ai certainement aussi. Et du coup, en fait, ça nous a fait les 500 crédits parce qu'on l'avait déjà. Parce qu'on est des gamers. Parce qu'on est des true gamers. Mais on a 75 000 crédits quand même, enfin crédits spatiaux, je sais pas quoi là. C'est quoi, combat de héros, c'est ça? Et confrontation non, de chasseurs. Je sais plus. Si, pour avoir les vaisseaux qui volent. Maman. Je comprends pas, attends, bouge pas, je vais retirer mon pull parce que j'ai chaud à force de gueuler. Waouh. Alors là, ça va être très sexy parce que je peux pas vous entendre, mais vous allez peut-être entendre le bruit de mon pull qui s'ouvre. Attends, regarde. Hop. Je suis tout nu. Que je portais qu'un pull en fait. Voilà, c'est bon. J'ai arrêté parce que j'ai arrêté d'en mettre ton casque. T'avais dit quoi, espèce de ça enculé? Bah, forcément, directement les insultes, on va se calmer quoi. Ouais, non, mais écoute. Non, mais écoute vraiment. Écoute, fils. Voici le métis. MC ah, Café non, Crème. Cool, wow. J'ai fait une petite clope le temps que ça, se lance. On va sur d'équerre. C'est le pari d'équerre. Putain, d'équerre. En plus, il y a le droïde Balavoine, il va buter sur Coruscant de Dakar. Il va se faire buter dans son hélicoptère. Je suis mal barré. Je fais tomber ma manette. Non, ma souris. Non, je joue à la... souris. Vivement le budget pour la facecam. On a le budget, hein, c'est l'envie qu'on n'a pas. Alors, en c'est quoi en même temps, s'il y a la facecam, franchement, chez moi, ça va être à côté. Franchement, en platoon, c'est sympa. À côté. Attends, y'a quoi? Ça, c'est le. Vidéo. Le truc de Vador. Ça, c'est le silencer. Oh putain, celui de Kylo Ren, il est vraiment stylé. Et Iden Versio. Ah oui, donc ça, c'est en solo. Non, moi, je veux. Celui de Dark Vador, j'aime bien. Oh putain, merci, j'ai réussi à avoir le slave. Celui de Dark Vador, en fait, c'est le vaisseau que je dessinais tout le temps quand j'étais gamin et que je dessinais les scènes de Star Wars. Ah oh, putain, tu dessinais. Ouais. De chance. Mais je suis un artiste, je suis taureau, je te rappelle. Ah, mes parents, t'en es que deux en fait. franchement, let's go. J'ai l'impression, mais que personne joue à ce mode par contre. Bah, tu sais quoi, je finis ma clope et puis on voit si les gens rejoignent et s'ils rejoignent pas, tant pis. Ouh, c'est quoi, en attendant, on va parler de. Ouais. Si tu rejoins, c'est bien. Si tu rejoins pas, c'est tant pis. J'en ferai pas une maladie. Et plop, boum. De quoi on pourrait parler pendant que personne rejoint? Non mais en vrai. Hey les gamers, vous avez vu le trailer de Death Stranding? Alors. Il était bien. Vous aimez les jeux vidéo? Je sais pas si vous avez remarqué. Mais ça ne dit pas au pire de lancer un truc où il y a genre juste des vaisseaux autre et chose. Pas que le vaisseau des héros. Oui, on peut faire ça, on peut faire ça. On va juste se foutre dans une partie et on essaie de choper des vaisseaux, quoi. Ouais. Okay. Non. Il me semble qu'il y a des modes de jeu qui sont faits pour juste ah, les vaisseaux. Ah, carrément. Ah oui, pas un mode de héros, juste avec des vaisseaux, d'accord. Voilà. Ah oui, c'est peut-être ça le problème, en fait. Alors, attends, bouge pas. Donc, ça va être en multijoueur. Je suis en chargement, je sais pas si je vais être dans ton truc. Ça va être dans assaut, peut-être. Combat spatiaux, ouais, c'est ça. Attends, lance pas tout de suite. Bah, j'annule alors. Côté. C'est ça la vie d'influenceur. C'est bon, t'es là ou quoi là? Je suis encore en chargement, il y a la planète là qui est en train de se construire en haut à droite. Voilà. C'est bon, je suis là. Yes, allez go, combat spatiaux. Là mon gars, ça va chlasser du lourd. On a regardé avec Pooms, on a regardé Fast and Furious 1 jusqu'à 7 sur Netflix parce qu'ils n'avaient pas le 8. Donc. Putain, il fait des OP en plus sur Netflix quoi. Grave.
Et Poons disait au 4, elle disait oh regarde, c'est à la fin de celui-là qu'ils font un barbecue sur le 3. À la fin du 4, c'était pas ça. Elle fait ah non, pardon, c'est dans le 5. On mate le 5, c'est toujours pas ça. Ah bah, ça va être dans le 6 alors. Dans le 6, toujours pas ça. Et on mate le 7, c'est là où Paul Walker il meurt. Et on fait, et elle fait mais merde, c'est dans lequel? Et en fait, c'était dans le putain de 8. Elle avait 4 films d'avance. Tout ça pour un barbecue sur un toit en plus. Est-ce que tu imagines? C'est complètement con sur un toit, vous pouvez mieux le faire dans le jardin. Mais non, mais ils ont un jardin sur le toit, en fait, j'ai pas compris. Je me prends le druide vautour, ils sont cool. C'est ceux qui attaquent dans l'épisode 3 au début, ça. Oh! Tout, 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 tout. Ok, par contre, chasseur, intercepteur, les intercepteurs, ils sont chums, par contre, les bombardiers. C'est un ennemi, ça? C'est un ennemi? Oh mec, Ace Combat 3, Ace Combat 3. Je crois que je vais déjà mourir. D'ailleurs, t'as mis quelle caméra? Troisième personne, y'a une... Oh, y'a la caméra, ta gueule! Ouais, mec. Elle déchire la caméra. Attends, je vais à couvert. Aïe, ouh, aïe. Me tirez pas dessus. Ouh, j'ai immunité. Et merde. Ah, par contre, là, je me sens obligé de jouer à la manette. Hein, c'est... Tu sais quoi, je vais prendre un bombardier. Sachant que je vais être plus à l'aise. Je suis souvent plus à l'aise avec des gros culs. C'est marrant. Ça doit être rapport à la réalité, oui, je sais. Attends, du coup, oh, j'en ai eu un! Ah non, c'est un bot. Donc j'ai un gros laser. Ok. A, c'est un genre de petit cube barré. E, j'ai 3 missiles. Et F, j'ai 2 tétons. Regardez F. Franchement, c'est Denis Barre. Comme Robert. Robert Denis Barre. T'as compris? Parce que Robert, ça veut dire les nichons aussi. Sérieux? Bah oui, il est Robert. Ah non, j'ai jamais entendu parler de Robert. Mais dis pas que t'as jamais entendu parler de Robert. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Il finit sa phrase en ASMR. Alors pourquoi, alors va falloir m'expliquer pourquoi je m'échine à attaquer les mecs quand j'ai un bombardier qui n'est fait spécialement pas pour ça. Merde. Putain, mais boum, j'ai... C'est la seule façon dont je vais crever, je pense, dans ce mode-là, c'est juste en me prenant des trucs. Donc allez vous chercher quelque chose à bouffer, allez mater un peu Nagui sur la télé, parce que là, ça va être très long, quoi. Sur la télé. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Ok, j'ai un intercepteur. Là, mon gars, ça va intercepter du lourd, mais à un niveau... Les murs sont vachement proches. Merci beaucoup pour le resub prime, mon brageur. Bonsoir, Chubava. Chubava, quoi? Alors ça, c'était peut-être une blague, mais pas chez nous. Despacito, eh merde! C'est la première fois que je me fais tuer par un V-Wing en plus. Attends, on dirait les noms des jouets... Le V-Wing! Et du coup, on a pas d'escouade, là? Non, y'a pas d'escouade. C'est chacun pour sa grosse race, en fait. Ok. Bah non, y'a un objectif quand même à accomplir. Oui. Faut attaquer le pont du Venator, ok. C'est quoi, je vais essayer de jouer l'objectif un peu. Rah, je vais passer par en dessous. Tout va bien se passer. Non. Pourquoi? Par en dessous, je suis pas bombardier, ça me paraît un peu spécial. Donc ça, mais... c'est la poste complète. Ah, attends, mais l'objectif il est où? Ah, mais il est au-dessus de moi en fait. Non, mais c'est pas grave, là, je vais passer par en dessous. C'est ça quand tu dis que je passe en dessous. Ouais. Non, mais regarde, je vais passer par en dessous et ensuite je vais faire une manœuvre d'évitement latéral. Tu vas voir. Je vais passer par en dessous et ensuite je vais faire un Immelman turn et je vais me retrouver juste derrière la truc. Et je vais. Voilà, et ils ont déjà niqué l'objectif avant que je m'en approche. Et ça. Pourquoi je suis à l'envers? Comment on fait? Ah, ouais, c'est ok. Il y a eu chasseur ennemi. Faut niquer tout le monde là? Ouais, j'ai l'impression. Ok, c'est ma spécialité. Super laser! Oh, oh, j'ai un missile au cul! Ça chauffe! Oh la vache, est-ce que je mange? J'aime beaucoup ce mode de jeu. Et c'est... Ah bon? Parce que moi, justement, j'allais dire qu'il est carrément plus chiant, mais... Putain, mais je sais pas pourquoi, je trouve les vaisseaux qui sont vachement jouables. Enfin, vachement pratiques à contrôler. Ah ouais? Ouais. C'est marrant parce que pas moi. Mais toi aussi. Excuse-moi, oh, si je suis plus habitué à IL2 Sturmovik. Merde, c'est quoi déjà? Ah oui, quoi, comme ça. Je vais tuer un mec ou pas? Est-ce que je vais tuer un mec? J'ai plus de... Boum, j'ai tué un mec. C'est bon, on peut partir. Spider, il faut qu'on se barre. Oh, mais j'aimerais bien. C'est quoi ça, puits de chaleur? Puits de chaleur, ça fait quoi? J'ai l'impression que je viens de me suicider. Et hop. Tout,
tout. Est-ce que vous voyez ces manœuvres de ouf que je vous fais depuis tout à l'heure, les mecs? Je les ai en ligne demi. Pourquoi ça fait bip bip? Le chat est impressionné. Quand ça fait bip bip, c'est généralement pas bon. Bah, je comprends pas. Ah, d'accord, je vois. Tu comprends mieux? C'est sûr que IL2 est plus pratique. Bah, c'est déjà plus compréhensible ce qui se passe, parce que là, franchement, je bite rien. Il y a du rouge partout, il y a des lasers qui traversent mon champ de vision, et ensuite je meurs, voilà. Ça, c'est une partie de vaisseau spatial. De toute façon, on vous a dit, hein, d'ici... Ouais, un quart d'heure, peut-être une demi-heure, on coupera et on ira sur... Ah, il est déjà 22h? Bah, il est 21h46, poteau, hein. Ah, putain, ça c'est passé super vite, hein. C'est passé... En fait, ça passe vite quand on s'amuse. C'est ça qu'on a remarqué. Ok. Allez, j'ai tué deux mecs, là, franchement. She's on fire, and she moves in night at the speed of light. Est-ce que Skad, au moins, il est prêt? Je pense que Skad est prêt. Je pense que Skad was born ready. Oh, il y a eu la bombe Sonic. C'est vrai? Bah, j'ai vu le truc qui a fait... fling. Un peu tard. Merde. Ok, j'ai juste fait un piqué de zéro japonais, en fait. Je suis déjà setup. Ok, d'accord. Bah écoute, on va voir ça après. Vous inquiétez pas. Donc oui, hein, pour ceux qui ont envie de rester quand même la deuxième partie de la soirée, si vous êtes pas des fils de pute, on va jouer à Raft juste après. C'est un jeu de survie, où donc on va pas survivre. Parce que maintenant vous commencez un peu à nous connaître. C'est quoi ça? Contre-mesure électronique, ça c'est pour éviter les missiles, très bien. Ça, les doubles portes à protons. Oh, tu l'as entendu, oui. Absolument. Verrouillage de missiles, tiens c'est marrant, ce serait bien si j'avais un genre de contre-mesure électronique. Sans déconner. Eh mec, j'ai envie de claquer ma grosse dynastie. Oh, j'ai le vaisseau Dark Maul, j'ai le cimetière. Cimetière? Non, smicar, ça se prononce. Mec, il est super stylé. Faut faire quoi là? Ok, d'accord. C'est réfugié somalien le jeu, c'est le Congo chez Tintin. Ouais, bon. C'est quoi le croiseur de la République? D'accord, le croiseur de la République a fondu dans la terre. Chasseur de la République, d'accord. Je comprends pas pourquoi ça tire pas mes trucs. Pourquoi je croyais que j'avais des missiles, pourquoi j'ai pas de missiles? Allô? Allô? Putain, je me suis fait péter. En fait, le vaisseau de Dark Moon, il est pas ouf. Pour qui nos teignes et missilos? Ouais, mais... Je comprends vraiment, mais littéralement que dalle à ce mode de jeu, quoi. Encore, le mode de jeu, faut tirer sur des connards, ça j'ai. Mais j'ai l'impression que mes skis, ils se lancent pas. Je sais pas trop ce qui se passe, en fait. Peut-être que je lag aussi, hein. Ouais, bien sûr, je lag. Il a bon dos, le lag. Torpille énergétique, tu vas voir, je vais leur torpiller le cul, tu vois. En fait, faut s'écraser contre les vaisseaux, ça fait des dégâts. Bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment contre-productif. Oh, mais ça, c'est parce qu'il y a des bots. Je m'en fous, j'ai défoncé une tourelle. J'ai aidé la République. Non, j'ai aidé. C'est qui? On est qui, nous? On est les séparatistes. Les séparatistes. Quoi? Bah oui, les séparatistes. Tu veux dire qu'on est avec Che Guevara? Ça jamais. Ok. Jamais. Tiens, je vais me refoutre en vue première personne parce que les gens ils kiffent sur le chat là. Regardez comment ça va trop vite les mecs. Oh, j'adore la bombe sonique, mon gars. Ouais, mais la bombe sonique c'est vraiment... Elle fait bien. Oh mais merde. Putain, je me suis fait niquer par Lucy Walker en plus. Non, en vrai j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe in-game et... Tu meurs très rapidement, j'ai vraiment pas le temps du tout de kiffer en fait. Et encore, tu vois, sur les autres modes, tu peux te permettre un petit peu, tu vois, de glander et tu meurs pas tout de suite. Là, j'ai l'impression que si tu branles rien, tu te fais bourriner, mais ouais, par tout le monde, quoi. C'est ça que j'aime bien. Tu te fais bourriner la gueule, mais tu t'amuses un peu. Ouais, mais toi, parce que t'as une attitude de perdant, mais... Oh, merci pour les subs, vas-y. 18 mois, dis donc. Merci pour le sub. Ça fait 2 bébés. Non, 9 et 9, 10, c'est bon. Genre, calcul mental. C'est quoi? Je crois qu'il y a eu encore une bombe sonique qui a pété. C'est marrant parce que ça coupe littéralement toute la bande-son du jeu. Ok, faut le stun, le bâtard. Faut désactiver le rayon du Vénator. T'inquiète, j'y vais. Je suis un héros, je suis po. Putain, il est tout là-haut. Ok, par contre, c'est stylé. Ah, je me suis fait bourriner encore. Putain, mais en fait le truc c'est que j'ai l'impression que le TTK il est vraiment super court.
Genre, au moment où je me rends compte qu'il y a un mec derrière moi, en fait, je meurs. Tu vois ce que je veux dire? Le time to kill, il est vraiment super court. Alors, je sais pas trop si c'est moi ou... Tiens, bah, je suis mauvais, hein, ça c'est admis. Je pense aussi c'est parce que les vaisseaux sont faits pour être ultra fragiles. Oui, c'est vrai aussi, ouais. On a des petits droïdes tout pétés, hein, donc... C'est forcément qu'on va pas durer aussi longtemps que... Une explication longue, mais ouais, carrément. Ok, c'est pas... Faut faire quoi maintenant là? Moi je serais ce genre de drone. Tu suis l'objectif. D'accord. D'accord, messier. D'accord, messier l'armée. Mais putain, mais merde. Boulah, capitaine, il pleut des fers à repasser. Vas-y, je vais prendre le vaisseau de Darth Maul, mon gars. Et là, ça a filé droit là. Là, mon gars. Vous êtes... Ah, je commence dans la flotte. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que l'eau, elle monte. Ah bah, si, merde. Ah, on est en fait sur la planète qui est visible dans Interstellar. Oh, y'a le Faucon Millenium. El Famoso. Putain, le Falcomismo. Je suis invisible. Vous pouvez pas... Mais les mecs, en même temps, quand ils ont joué, ils sont niveau 72. Tu sais, les mecs, ils ont un seul mode de jeu, quoi. Le mec il a pas voulu acheter Ace Combat 7. Du coup il lâche rien quoi. Mais comment? Elle est marrante ta cracotte. Ma cracotte E de Berre. Oula, fais gaffe, il y a un projecteur de rayon, Spider. C'est mon gars, c'est trop stylé de dire ça. Spider, fais attention au projecteur de rayon. Ouah. Missile de ouf. Mais il se lance pas en fait le missile quand je l'active, je comprends pas. J'appuie sur mon skill de en missile, fait, faut faire quelque chose après. En fait, quand il se rétracte sur une cible, ouais. Tu sais, ça fait... Il faut rappuyer à ce moment-là. D'accord, mais pourquoi ça marche pas? T'es mauvais, tu vois. Non, mais ça d'accord, mais pourquoi ça marche pas? Attends, je vais réessayer. Tu es pas un gamer. Non, mais je sais que t'es pas un gamer. Je suis désolé. Faut retirer. D'accord. Ah, bah ils sont déjà morts. Bah du coup, je vais relancer sur autre chose. Je peux pas. Et bah, ouah, y'a un mec qui m'a foncé dans la gueule. Super turbo! Est-ce que vous avez vu ces manœuvres? Je fais des Philippe depuis tout à l'heure, je vais crever. Oui, ouais, je sais. Je sais, c'est triste, hein, mais. Jeu d'équipe plus 50. Et ouais, mon gars, teamwork. Putain, mais c'est qui me tire dessus? Vas-y, arrêtez! C'est un combat dans les airs, putain. Oh, missile en approche! Bim! Manœuvre d'esquive, trop facile. Appuie deux fois pour lancer. Faut appuyer genre sur F ou sur la touche de tir? Ah. Sur Enfin, faut appuyer sur la touche de compétence ou sur la touche de tir? La touche de compétence. La touche de compétence, d'accord, ok. Putain, en plus, on va bientôt l'avoir, le moteur. C'est bon, on l'a eu. Oui. Ah. C'est victoire, ça. J'ai eu un achievement sur Origin. Ouais, vol au départ. C'est beau, quoi. Si vous pouviez tous m'applaudir lentement et un peu avec la désespoir, genre... Oh, y'a Sam Witwicky en premier, mec. Putain, mais c'est facile aussi d'aller au Spark. Nous, on fait comment? Allez, viens, on retourne à des modes normaux. On se fait une dernière partie, je pense. Ouais. Et ensuite, on ira avec Skadur sur... Raft. Raft. On dirait un canon. Comme Nick Cannon. Il était producteur de Arkili. Oui. Je pense que j'y rejouerai même. Bah, je sais pas si toi t'y rejoueras, mais au moins de mon côté, je pense que je vois taper dedans. Je pense que je retaperai dedans aussi parce que je suis vraiment en train de m'amuser. Et bah, à part avec le mode de combat spatiaux, hein, mais je veux dire, le reste, c'est vraiment sympathique. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je suis en train de vernir des planches du radeau là, donc marchez pas dessus tout de suite. On amènera nos petits patins, ce qu'il y a à dire, t'inquiète pas, on amènera nos petits patins. Les patines. Bon, par contre, faut pas que ça bug dès le début là, parce que. Qu'on a vu tout à l'heure avec le grappin là, que j'ai jeté et que bon, au final. Ah oui, sur Raft, oui, il y avait quelques problèmes, mais bon, on verra bien en stream de toute façon. Hein. Alors, écoute... Oh, c'est qui ce con? On joue qui là? Soldat lourd. Mais c'est qui lui? Pourquoi il a une moustache? Attends. Ah, mais c'est parce qu'on... Du coup, ouais, on joue la résistance. Ah, on joue les rebelles. La résistance. Oh, la petite noix. Vas-y, je prends la petite noix. C'est le roi de la France. Je me balade dans Coruscant et je prends le métro. Et là, l'empereur, il me dit... Vous avez votre passeport. Coup
foule. Que boulard à la foule. Rien à foutre, je suis pas le patiné, je t'emmerde. Ça, ça ressemble bien un peu le patiné. Je trouve, hein. Do it. Do it. Drink up. Do it. Voilà. Putain, c'est si les parents de l'arrivée. Granddaddy had that golden flag, special every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill the sorrow. Some people wanna fit in with the popular, that was my problem. Putain, la vache, la map, elle est beaucoup trop stylée. Y'a un mec qui est tout blanc, j'ai mal aux yeux. Ça pique. Pour vache. Do it. Drink. Do it. Stand up. Do it. Do it. Sit down. Do it. Wake up. J'ai failli déjà mourir. C'est pas mieux qu'avec les vaisseaux en vrai. Je me suis fait buter par Roger Rogerman. Roger Roger. Roger Roger boy. C'est toujours... Putain, mais pourquoi... C'est quoi ces skins? Regarde lui, on dirait un genre de Chris Pratt dans 30 piges. Chris Pratt quoi. Une fois j'ai arrêté des raptors. Bon les commandos, c'est parti. T'as vu par contre, les soldats lourds, c'est littéralement une MG42 avec deux rouleaux sous. Ouais, le... mais c'est pour ça que je dis que les films de base, ils sont basés sur la Deuxième Guerre mondiale, notamment à cause des designs des trucs. Ouais, il y a des MG42, les blasters, c'est des Mauser, je crois. Enfin, c'est complètement ça, quoi. Des Mauser. Oh. Recule, recule, recule. Get down on the ground. Sit down. Do it. Ça vaut le coup de la refaire. Franchement, il me plaît de plus en plus ce remix. Quelqu'un est capable de rimer comme Kendrick Lamar et qu'on puisse faire, parce que moi je saurais pas avoir son flow, donc si quelqu'un sait, on peut faire un petit remix tranquille. Et on change les paroles bien sûr. Putain la vache, le chargeur de bâtard que j'ai sur mon truc de soldat lourd là. Oh, le chargeur de bâtard. Jedi Daddy. Vas-y, passe devant. Vas-y, vas-y. Mur de bouclier, mur de bouclier. Hold. Hold. Grenade derrière nous, mec. Non, c'est bon. Hold. Ils nous auront jamais, mec. Ils nous auront jamais. Ah, d'accord, ok. Vas-y, viens pirater. Vas-y, je te couvre. Ah, bah, d'accord. Y'a un mec qui pirate déjà. Il est en train de pirater. Vas-y. Bouclier. J'ai plus de bouclier. C'est quoi qui va exploser? Ah, oh putain, tu. Mec, il était tout seul, il nous a déboîté. Hein. Ah, mais il a déjà 12 humiliations aussi, forcément. S'il nous fout des MLG en face, on fait comment? Demlgué. C'est weird. Demlgué. Ludo, il est en train de hard meme toute la prélogie. Do it. Do it. I'm the Senate. Pas droit. Boum, soldat lourd. Gurnel. Bouclier. Do it. Bouclier. Shield. Do it. Sonic Bomb. Do it. Do it. Ok, merde, je me suis encore fait mal. Je me suis brûlé avec mon fusil. Spider, viens faire un bisou magique sur mon doigt. Mon fusil. Oui, oui, oui. Je me suis fait un Uchi. Qu'est-ce que j'ai mal au cou? Qu'est-ce que j'ai mal au cou? C'est de m'avoir trop baisé. Yeah. Aïe, j'ai le trou du cul qui baille. Il fallait pas tant te faire enculer. Ah non, on s'est fait niquer par Palpatoche. Do it. Sit down. Do it. Crush the rebellion. Do it. Have you heard of the High Elves? Have you heard of the tragedy of Dark Plagueis the Wise? Dark Plagueis. Dark Plagueis. On l'appelait, sa fille c'était Amy. Amy Plagueis. Ok, tu l'as. J'attends, parce que c'était... C'est quoi ton nom de para? Para. Ok, vas-y, grenade. Pourquoi? Balance toutes les grenades que t'as. Balance-toi. Oh baby, go. Vas-y, balance-toi de gros chats à droite. Gros chats. C'est... De gros chats à droite. Mal. Y'a beaucoup d'ennemis en face. Y'a beaucoup de d'ennemis spéciaux en fait en face. Pourquoi mon perso crie? Il a fait... Il a crié comme un personnage d'animé. Oh, y'a les sons derrière qui font... Y'a la base qui est en train de tuer. Y'a Leia. Vas-y Leia, t'as une robe et un pistolet. Je suis sûr que tu vas vraiment aider la révolution, poteau. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces films. C'est bon, nous avons un scanner désormais. Oh, y'a pas le Palpatox.
Pourquoi il y a pas Snoop Dogg dans celui-là, dans les cartes et tout. Ça me beaucoup trop bien, mais. You got a motherfucking scanner, bitch. The skinizzle. It's oh. The old double jizzle. Mec, le vaisseau de Snoop Dogg, il serait tout en Snoop or et Snoop tout. Do you nizzle the strizzle of Doug Plagizzle? It's the Dio double jizzle. Do you know the way of the jizzle? Of the jizzle. Jizzle, jizzle. Voilà. C'est beaucoup trop bien. Sit down. Do not succumb to the power of the dark sadizzle. Il y en a encore en droite. Mais oui, ils sont tous morts, regarde. Allez, je pirate. Vas-y. Je pirate. Y'a pas le patache. Pas le patache. Ah, le mec qui est mort à côté de moi, il avait un visage rigolo. C'était un alien marrant, attends. C'est lequel? Les verres là. Ouais, non, il avait une tête genre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il avait un... comme ça, là. Attends, je pop sur toi. Oui. Ce petit sourire du perso me tue dans l'écran de sélection. J'adore la guerre. Ouais, la guerre, c'est mon dada. C'est le mec qui entend les explosions, il fait « Oh ouais. Oh yes. Je suis chez moi, là. La grenezo. I'm throwing a double jazzo. » Et putain, je me suis fait surcharger le cul. Sit down. Do it. Je vais encore économiser un peu de temps parce qu'on a bientôt 4000 et on pourra jouer... Pourquoi Rey coûte 6000 alors que Yoda coûte 4000? Tu vas me faire croire que Rey elle est plus balèze que Yoda? J'ai la Rey en feu. J'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé. Non mais par contre, il peut crever le héros là, j'aimerais bien jouer aussi moi qui est un héros. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Oh là là. Oh putain. Mais il crève quand le bâtard? Je me suis fait tuer par Grumpel. Ok, en fait, il était disponible. Il s'est fait instant pique. Ouais, je crois que les gens en fait ils sont en train de spammer comme ça. Ouais. Bon bah tant pis. Pourquoi personne veut jouer la chinoise? Je comprends pas, elle est pas bien. C'est qui? Ah non, c'est non, pas une c'est juste Rocket Jumper en fait. C'est ça son nom? C'était difficile à porter. On l'appelle Rocket? Roro peut-être? Comme tantôt Roro? Oh, oh. Tu l'as celle-là? Non. D'accord. Je fais mes blagues de mon côté. Je ne suis pas un héros. Wow! Faut pas croire, je viens de Camino. Ok. C'est quoi qui t'a buté? Il y a des prolongations aussi. Ah mec. Fait tir au but. Oh ma merde. Oh c'est disons c'était vraiment super bien prolongé mec. Wow. Ça c'était de la prolongation pour. Oh. Bon les mecs, on va vous filer une seconde 5 pour vous échapper. Oh y a un vrai Zabrak. Regarde, y'a un vrai Zabrak dans la révolution. Le gars avec les pics là. La belle Zabrak marre. J'en ai marre d'être un Zabrak. Putain. J'en ai marre de mon Zabrak. Marre. C'est marrant pour... XP, wow. Les Zabrak, ils ont le droit... Les... Attends, on s'en fait une dernière quand même, Allez, une dernière. Tu dernières. C'est bizarre, non, Zabrak, du côté des gentils. C'est des cons, non, les Zabrak. Je te vois pas, par contre, dans la liste, tu t'es barré? Non. Bah, Étoile de la Mort 2, non, continuez. Je suis là, normalement, non? Ouais, c'est bon, je te vois, moi. Ah, putain, je te vois pas. Ah, cette fois-ci, on va jouer les vrais gentils de l'histoire de Star Wars, l'Empire. Ah oui, si. Bah par contre, moi, je suis en déplacement vers Étoile de la Mort 2 pour Asso Galactique. Zabrakadabra. Waouh. Zabrakassé, oui, Scad. Putain, tu es en train de hurler ces vannes depuis tout à l'heure. C'est lui qui est sur le marché, il dit les choses. Zabrakmar. Zabrakassé. Pour tous les goûts des Zabrak. Ok. Qu'est-ce qu'on a, du coup? On a Darth Maul. On a... Toi, tu dis plutôt Dark ou Darth? Darth Maul. On a Saruman aussi, on a Grievous et on a Phasma. J'ai envie d'avoir au moins assez de points dans cette partie pour jouer Phasma. Je vais pas utiliser un seul autre personnage et je vais essayer de jouer Phasma. J'ai vraiment envie de jouer Phasma. Ouais, mais faut être un gamer pour avoir assez de points. J'aime pas Phasma parce que son personnage est intéressant. J'aime Phasma parce qu'elle est jouée par celle qui joue Brienne de Tarth et j'adore Brienne de Tarth et j'adore l'actrice. Donc j'ai envie de jouer Phasma. Hello there. This will make a fun addition to my collection. Bon, j'ai my collectizzle.
Oh, y'a un R2-D2 là-bas. Attends, je vais le bourriner. Ah, merde. Oh, y'a des mecs. Oh. J'ai tué un mec. J'ai fait First Blood. Phasma, oh, le personnage sert à rien, mais le design est assez stylé, je trouve. Il est pas assez stylé. Arrête d'être en combat. Moi ? Oui, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. C'est qu'ils sont là-bas, là, ils arrivent. Faut ouvrir la porte, Ils sont où, à gauche ou à droite ? Ah, non, partout. Pas. Okay, c'est super. Ah, mais en fait, c'est qu'on peut pas, passer, là. Faut qu'on les attende. Trop paumé. Ok. Je ne suis pas un zabrak. Quand je vois une mémé, je la braque. De quoi ? C'est bien pratique une Gatling lourde quand même. Ouais, je trouve aussi. Merde, merde, mais j'utilise la Gatling, c'est pas ça que je voulais faire. C'est down. De où ? Regarde. Putain, faut qu'on défende le truc là, il y a un truc. Fermez la porte ! Pourquoi ils ferment pas la porte ? Bah. Pourquoi ils ferment pas la porte ? Voilà. Ah, en train merde. De désactiver le générateur. Non, justement, attends, faut que je recommence. J'ai niqué le pont. Désolé, désolé. Va pas dessus, C'est bon. Vous pouvez pas passer. Non, rien, je fais le con. Évidemment que je fais le con. Sur quoi je pourrais lancer des grenades ? Les ennemis. Oh putain, attends, vas-y, faut qu'ils ouvrent là. Vous pouvez. Tu peux reculer, s'il te plaît ? T'es en combat. Oh là, t'es meilleur. Attends, c'est un peu la merde. Bouge pas. Oh la vache. Putain, ils ont fermé la porte, ils ont enculé. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la ligne. C'est une mine, ça ? Non. Ok. Vas-y, je te suis. I follow you. Il me faut 6000 points, je vous rappelle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jouer l'objectif, tiens. Tiens donc. Franchement. T'as, ils sont en train de désactiver le rayon tracteur, mec. On fait comment ? On n'a plus de tracteur. Tracteur ! On peut faire l'agriculture. J'en ai eu un à travers le mur. T'as, j'ai l'impression d'avoir lu Arcana. Je crois qu'il me manque. Arcana. C'est marrant, je me disais pareil de petit avec le book. Ok. C'est bon, je reste là. Référence double zéro. Quoi ? T'adores double zéro, mens pas. Oh putain, je me suis fait chlasser. Attends, c'est quoi ça ? C'est la roquette. Ah merde, dommage. C'est pas grave. J'ai combien de points ? J'ai combien de points ? 1200, ok. Il faut que je fasse 6 fois ça. Allez, c'est parti. Je veux Phasma dans ma vie, j'y peux rien. Phasma dans ma vie. On vous a pas beaucoup lu depuis tout à l'heure non plus ? On est d'accord, la politique dans la prélogie, c'est chiant comme la mort. Bah, je sais pas, non, ça m'a pas trop dérangé. En fait, bizarrement, c'est que la politique de la prélogie, eh ben, je l'ai en tête, en fait. Genre, c'est bizarre, j'ai l'impression que le film arrive quand même à t'intéresser un minimum. Après, ça m'a pas dérangé. Bah, bon, non plus, je trouvais que ça faisait un truc plutôt stylé. Ça ancrait un peu tout le truc dans la réalité aussi. Oh là là, y a un méchant. Y a un vrai méchant, là. Oui, c'est ce qui walkait. Ah, c'est Skyrim. Je m'appelle John Skyrim. Ah oh, merde. Oh là là. Tiens. Je me suis fait. Ah putain, tu sais comment il s'appelle Anakin, mec ? Il s'appelle Witcher Biscuit. Putain, c'est un biscuit de Witcher. C'est un biscuit de sorceleur, mec. Qu'est-ce que tu comprends ? La Wisherie. Une wish. Le premier avec les taxations de route commerciale et tout. Bah oui, mais c'est ça en fait, les taxations de route commerciale. Du coup, bah. Même quand j'étais petit, j'avais compris quoi, qu'il y avait un genre de blocus. Pourtant, j'ai pas fait ES, hein. Tu sais pas ce que t'as raté. Oh, si. Je suis bien au courant, mais. Putain, on a perdu le rayon tracteur. Ah, putain, je me suis fait mal avec mon pistolet. Eh, franchement, on est dans un putain de futur de ouf. Avec de la technologie de bâtard, ils peuvent pas se permettre de trouver un truc qui refroidit les armes assez vite, quoi. Non, mais j'hallucine. Non, mais allô, quoi. C'est des prolétaires. Même les nazis. Même les nazis. Putain, mais on a déjà gagné. Bataille au-delà des étoiles. J'ai pas pu jouer Phasma. Nos Phasma. Où est-ce que tu voyais un mec avec des cornes, y en a. Bah non, mais il y avait un Trouzabrak, mais il était à la place du mec qui avait une tête de Raymanta, là. C'est un mec différent à chaque fois. Regarde celui qui est à droite, là, il est trop rigolo, il a une tête... c'est pas ceux qui font de la musique aussi dans le bar de Mos Eisley. Ah, tu veux dire le... Comment
le techno, ça c'est comment il s'appelle déjà? La Techno Alliance ou je sais pas quoi dans l'épisode de c'est quel épisode? Ou tu sais au moins 4 ça. Non, dans le 2 ou 3 où il y a Obi-Wan juste avant que Obi-Wan rencontre Grievous dans le 2. Ah oui, il va dans le bar là. Non, il va, il y a une espèce de réunion, tu sais, et juste après, il a une course poursuite où il est sur un genre d'alien qui fait comme ça là. Ça me dit rien. T'as dû te foutre ma gueule. T'as quitté du coup ou quoi? Non, je continue. Mec. On va jouer sur Jacu. J'accuse les hommes, hein, par à côté de chez moi, il y avait un bled qui s'appelait Saint Jacu les Pins, du coup, ouais. Mais tu sais, dans le film où il y a Obi-Wan, il est sur une planète. Et il y a Grievous aussi, et après il poursuit Grievous dans une grosse roue, et il y a un alien qui fait allô, allô, comme ça, et oui. Juste avant, il y a une discussion, et il y a un mec qui dit, un mec avec une grosse tête de baril, et il dit qu'il fait partie de la Techno Alliance ou je sais pas quoi. Et sa voix, elle fait comme ça, là, parce qu'il règle en fait son LFO. Je suis la Techno Alliance en tout cas, tu vois, je suis à fond dedans. C'est le 3 ça? Putain, mais comment. Attends, est-ce que je peux retrouver Techno Alliance Star Wars. Oui, mais de toute façon, il est que dans le 3 Grievous, donc. D'ailleurs, je Techno Union, jamais... Techno Union, c'est ça. Et du coup, je crois qu'il y a un genre de remix. Grievous. Ouais, c'est ça. Où tu vois le mec de la Techno Union, au lieu de gérer sa voix pour qu'on comprend, il fout un genre de track de techno toute pété. Mais oui, voilà, la Techno Union, elle s'appelle. Alors, oui, c'est dans le 2, c'est pas dans le 3, ça. La peau du Jacu. Et non, ce fusil m'a coûté la peau des jacutes, il fera attention, mais... Pourquoi il parle, la connasse, là? Moi, je veux juste tirer sur des trails. Mais pourquoi il y a Alibéry qui nous dit des trucs, là? Je comprends pas le... Putain, elle est vachement pâle. Mais non, elle était métisse, putain. La meuf qui nous a parlé, là. Elle est pas métisse. J'ai vu tous les concerts de Yannick Noah, je peux dire qu'elle est pas métisse. Ah, je suis en train de me faire sniper. C'est pas grave. Je suis en train de me faire sniper. Je suis en train de me faire rof aussi. Bon, j'ai déjà perdu quasiment toute ma vie, j'ai 2 PV, je pense que je vais rester ici jusqu'à la fin de ma vie. Vas-y, attends, je t'accompagne. T'es où? Dans Nesta. T'es en combat. Ah, c'est bon, je suis là. Ok. Et I'm behind you. Apparition des squads sur votre position, ça me plaît ça. Y'a un mec juste là. Tu vois son ombre. C'est un pote. Ouais, non, mais ils sont stressants aussi. Je déteste mon existence, mais... Ils sont où, les snipers? Attends. Oh, ça me tire dessus, je les vois. Il y a des mecs... Ah, derrière nous. Putain, le mec, il était derrière nous, on était retournés et occupés, il a pas su nous buter, quoi. Mec, change de boulot, quoi. Va à la cantina, joue du saxophone, fais quelque chose, mais continue pas. Hein. Merde, retournez vers l'objectif. Oh là là, ouais, mais tu vas beaucoup trop loin. On se fait tirer dessus. Aïe, il est où? Il y a un mec qui nous a tiré dessus. Sérieux? T'as rien pris toi? Moi je fais un pec. Mais t'es un gros bâtard. T'es où? Ah, t'es là-bas. Putain, quel enculé. Faut défendre quoi? C'est chiant de défendre, c'est plus marrant d'attaquer. Comment vrai? Mais sur le chat, là, très honnêtement, et pas sans mimer, sans parler du contenu payant du jeu ou quoi, qui aime bien Battlefront 2? Que vous y ayez pas joué ou pas, même si vous intéresse juste, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le jeu vous plaît? Franchement, je l'avais essayé, tu sais, quand c'était encore version littéralement payante, tu sais, si tu voulais des compétences, fallait les acheter. C'était pourrave. Maintenant, franchement, je m'amuse, quoi. Je trouve qu'il est vraiment sympathique, ouais. Je trouve qu'il est vraiment sympa, les maps elles sont magnifiques. Il y a vraiment de quoi se marrer, quoi. Les sons sont bien faits, le gameplay il est sympatoche. Patoche. Il est sympa, pas le patoche. Voilà, on y est. Planet Side 2, ça a changé XD. C'est vrai parce que c'est Star Wars, du coup oui. Ça a l'air sympa, je suis en train de le DL là, d'accord. Vas-y viens, on snipe poto. J'arrive pas à toucher le. Il fait des roulades, il est cool. Y'en a un qui est en dessous. Et je me suis cramé le doigt. Moi aussi. Oh la vache! Merde. Oh, j'ai mangé. Ah putain, y'avait des mecs derrière moi, je me suis chié dessus. J'avais 911 points, c'était très rigolo. Vas-y, je suis derrière. Non, il réagit pas vite lui. C'est quoi? Attends, je prends les gumelles. Y'a un mec là. Putain, mais il nous voit d'ici. Ah! Oh la vache! Ah bah c'est un sniper qui m'a niqué, d'accord. Faudrait peut-être que j'investisse dans des points un jour.
C'est pas grave, je m'en fous, j'y vais à steak moi. Quand on a anus, ça va faire mal. On va frôler la fissure. Oh, la fissure. Vache. Oh là, ah, d'accord, on s'est fait niquer par un ATST quand même. Non, c'est un ATAT. C'est un TSTT ça ? C'est quoi la différence entre un TSTT et un ATAT ? Il y en a un, il a des vacances. Il y en a un, il a le statut cadre. Ah, il est là-bas en plus. Le TT. Je sais pas si on lui fait mal. Je sais pas, ça fait des petits hit markers, mais. Ouais, il y a des hit markers donc ça doit. Ah, continue hein. Écoute. Oh, ouais, on a pris un coup. D'accord, ok. J'ai bien aimé le moment où j'ai rien fait. Oh la vache, mon gars, il m'a Superman quoi. Putain, mais. Ah, mais je m'en fous en plus, j'ai même pas Phasma de ce côté-là, alors tiens, tu sais quoi, je vais prendre un X-Wing. C'est parti, mon gars. Star Wars. C'est qui a dit qu'il était en train de le DL? Elda, je crois. Ah, c'est parce que je l'ai vu tout à l'heure se connecter. Ah, non, dire Homo EXS. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, je vais faire une manœuvre super risquée. On est que 3 dans le monde à savoir la faire. Les prolongations vont durer 5 secondes, je vais pas pouvoir jouer plus avec mon vaisseau là-ci. Ok. Si, y'en a encore un qui est sur le point. Putain, j'ai 20 HP, la vache. Si la guerre et je crois qu'elle vient vers moi, malgré les manifs qui vivra la Vera. Mais ça, c'est ça. Donc c'était bien un ATST, on est d'accord. Mais c'était écrit... Les ATAT, c'est les énormes qu'il y a dans les premiers films, là. Oui, non, mais t'avais... Oui, c'est les noms français, voilà, c'est ça, c'est les noms français. Comme C6PO, comme Chic Taba. Chic Taba, Chic Taba, c'est le nom de Chewbacca dans les versions françaises des premiers films. Pourquoi, par contre, il y a une petite figurine de... Il a gagné avec un amiibo. Oh non. Non. Bon, bah, du coup, ça, bah, moi, ça m'a plu de faire ça. On va couper pendant quelques secondes. Ou alors, est-ce que tu veux donner tes impressions du jeu maintenant? J'aime bien. Yes. Voilà, c'est à ça qu'on connaît un vrai gamer. Donc ouais, franchement il est vraiment sympathique. Et si jamais vous avez un jour 5 balles à dépenser, n'hésitez pas à prendre... C'est même pas 5 balles. C'est 3,99 balles. 3,99, c'est 4 balles. Si jamais vous avez envie, allez voir au moins ce qu'ils proposent dans les jeux de The Vault. The Vault, donc c'est ce que tu débloques, c'est les jeux que tu débloques quand t'es avec l'Origin Access. Et allez voir, rien, s'il y a un truc qui vous plaît, tu vois, ça coûte 4 balles. On n'est même pas sponsorisé, on est en train de leur sucer la bite. Alors que je supporte pas Origin, quoi. Mais ça vaut le coup quand même. Il y a Titanfall 2, il y a... Mec, il y a Prison Architect, quoi. Mais il y a vraiment masse de trucs, c'est... Il y a tous les Batman, il y a tous les Battlefield, il y a Titanfall 2, oui, il y a... Voilà. Enfin bref, avec le mot code promo LMF666. Donc voilà, on revient les gars, on fait de gros bisous, à tout de suite. Et Spider, si tu m'entends pas pendant quelques minutes, c'est normal, parce que je suis en train de... D'accord. Ok, top.